Mesdames et messieurs, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un live absolument exceptionnel. Je suis très content de vous retrouver. Je suis très en forme. Je suis très en forme aujourd'hui. Je sors d'un live Mario Kart sur Twitch. Oh là là, la folie. La folie. Du coup, je suis un petit peu excité, mais tout va bien, tout va bien. On va se calmer et encore, parce que le live d'aujourd'hui qui arrive s'annonce absolument incroyable, puisque c'est le troisième épisode de la série Je Rush avec le deck des abonnés. Vous connaissez peut-être le principe, vous derrière la caméra, là maintenant, enfin ceux qui sont sur le live, ceux qui sont sur la rediff, malheureusement c'est trop tard, mais ceux qui sont sur le live, vous allez m'envoyer vos decks. À vous, je vais prendre vos decks via Discord, je vais les prendre et je vais les jouer, je vais essayer de rusher avec. On va voir ce que ça donne évidemment aujourd'hui. Il y a souvent des decks qui sont très bons, vous êtes sympa avec moi. Il y a aussi souvent des decks qui sont absolument horriblissimes, vous êtes moins sympa avec moi. On va voir du coup ce que ça donne aujourd'hui. Voilà, en tout cas, je suis très content de vous retrouver pour ce concept. Je vais envoyer le tweet rapidement. C'est le troisième épisode de Je Rush avec les decks des abonnés. C'est maintenant, tout de suite. On envoie le tweet, mesdames et messieurs. Let's go. Et on va partir dans le jeu directement. Ça se voit ou pas, je suis en forme. Ça se voit ou pas, je suis content de faire le concept. C'est parti. Clash Royale, mesdames et messieurs, qui est juste là. C'est déjà allumé, c'est déjà prêt. Hop, hop, hop. Je prends le chat devant les yeux. Bonjour à tous, bienvenue les gars. Bienvenue. Sur ce live, j'espère que vous êtes en forme. Et également, alors du coup, pour commencer un petit peu, pour que tout le monde soit au courant, je vais le répéter évidemment, mais je vais prendre vos decks via Discord. Pourquoi via Discord? C'est parce que ça me permet d'avoir un lien pour copier le deck dans mon jeu. C'est beaucoup plus simple. Imaginez si à chaque fois je dois prendre 5 minutes pour construire le deck carte par carte. C'est un enfer. C'est pour ça, que je vais passer sur Discord. Discord qui est juste là, sur mon serveur. Vous avez le lien, évidemment, qui est dans la description. Ça bug un peu, mais tout va bien. Vous avez le lien, bien évidemment, qui est dans la description. Et voici pourquoi Discord, c'est pratique. Parce que j'ai directement les decks, je les vois et je peux les copier relativement facilement. Par exemple, pour commencer, regardez le deck juste ici. Alors oui, c'est un peu le bordel pour prendre les decks. Mais on a le deck ici de Colis Zozo. Ou Zoro, je sais pas, j'ai pas fait gaffe, c'est pas grave. On copie le deck directement dans notre jeu et regardez, c'est quand même extrêmement pratique. On copie le deck et voici le premier deck du jour. Voilà, tout simplement. Alors évidemment, on a des problèmes par rapport au son parce que le fait d'ouvrir le jeu, d'éteindre le jeu, ça enlève le son. On connaît, vous vous rappelez de ces problèmes-là? On les connaît, les problèmes. Il n'y a pas de souci, on rallume le jeu et on va avoir le son. On va s'en sortir. Voilà, mesdames et messieurs, les pouces bleus qui arrivent déjà, vous êtes déjà 500 sur le live. J'ai à peine fini d'expliquer le principe du live. Merci à vous, bienvenue évidemment sur ce live. Bonsoir à tous. Bonsoir, le premier deck il est là, il est en place. J'en profite avant qu'on parte dans quelque chose qui me fait assez peur finalement, dans les battles avec vos decks. Avant qu'on parte, voilà, j'en profite pour le dire, c'est écrit juste au-dessus de moi. Mais on va continuer le live, enfin pas continuer le live, mais on va enchaîner avec un autre live juste après sur Twitch. Un live Clash Royale. Qui sera un petit peu plus détente que celui-là. Celui-là, il va être intense. Mais le live Clash Royale qu'on va faire après, il sera un peu plus détente. On va essayer de rattraper un petit peu les trophées qu'on va probablement perdre dans ce live. Il y a aussi, je crois, le défi que j'ai vu qui est sorti aujourd'hui, le défi du miroir. Je pense qu'on le fera tranquillement après ce live sur Twitch. Voilà, si ça vous intéresse, pareil, vous avez le lien de ma chaîne Twitch qui est dans la description. Et vous avez aussi toutes les redifs du coup des derniers lives que j'ai fait là depuis mercredi. Vous allez voir, et franchement, Twitch... C'est super sympa, on passe des très très bons moments. Et demain, il y a un live exceptionnel sur Twitch qui va arriver. Ah, oh, ça aussi, il faut que je vous montre. Attendez, je vous montre. Non, parce que j'ai beaucoup de trucs à dire. Il y a beaucoup de trucs à dire. Il faut que je vous montre ce qui va se passer demain à 18h sur Twitch. Attendez, deux secondes. Attendez, il y a des mecs qui vont arriver là sur le live, ils vont voir personne devant la chaise. Ils vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? Non, mais attendez, j'arrive. Tout fait tomber, mais en gros, non mais parce que j'ai des trucs, attendez. En fait, j'ai des trucs à ouvrir en live, genre, j'ai ça, enfin, tu vois, des bugs, des quêtes, voilà, j'en ai beaucoup, des trucs comme ça, c'est une boîte, ça, j'en ai deux, j'ai un autre colis, et j'ai un truc qui est 4 fois plus gros que cette boîte-là, à ouvrir, voilà, et c'est que des trucs Supercell. Voilà, du coup, ça c'est demain à 18h sur ma chaîne Twitch, on va tout ouvrir, on va prendre le temps d'ouvrir tout ça, je pense qu'on va faire un live de 18h à 22h, demain, on va probablement, alors avant je vais donner le planning de la semaine, du coup de 19 à 22, on ouvrira ces trucs là, on sera posé sur Twitch en petit comité tranquillement, si ça vous intéresse, je le redirai hein, probablement au cours du live, mais voilà, si ça vous intéresse, notez le rendez-vous, et puis allez follow la chaîne Twitch aussi qui est dans la description du live. Voilà,
Bon, est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on pas... C'est un bordel. Je vous ai dit que ça va être sportif aujourd'hui. Hop, on retourne sur Clash Royale. Attendez, je pose ça juste là. Je me rassois dans ma chaise. Je remets le casque. Bonjour à tous, évidemment, ceux qui rejoignent le live. Et il y a aussi Gloria qui a fait un petit don tout à l'heure aussi. J'ai loupé, je suis désolé, ça va trop vite pour moi. Gloria, merci beaucoup. Tiens, pour te donner du courage, bonne chance. Un grand merci, Gloria. Merci beaucoup pour ton don. Ouh. Eh hey, les gars, hey, ça fait combien de temps qu'on est en live là? Je n'en peux déjà plus. J'ai déroulé tout ce que j'avais à dire. J'ai enchaîné. Alors, évidemment, si vous voulez aller voir un petit peu ce qui se passe hein, du côté du salon Discord, on en est où là? Normalement, c'est un peu la folie. Ouais, voilà, les messages qui vont dérouler. Voici du coup les decks que vous m'envoyez là maintenant en direct. Vous pouvez aller sur mon Discord. Vous allez dans le channel qui s'appelle Donnez vos decks, qui est juste là. Vous allez, c'est le premier channel du général. Vous allez dans ce salon là et vous envoyez le lien vers votre deck, ça affichera comme ça et je le prendrai directement en live. Voilà, voilà. J'ai déjà pris un deck du coup il y a 2 secondes. Le deck que j'ai pris du coup, c'est celui-ci. Voilà, je récompense hein, ceux qui sont team notif et qui ont envoyé le deck directement au début. Bravo, je sais plus qui... C'est Coulisse. Je sais plus comment il s'appelait, je suis désolé. Mais voici le deck qu'on va jouer du coup en premier. Et on va voir, écouter un petit peu comment ça se passe. Est-ce que j'ai envoyé le tweet? Ah oui, c'est bon, j'ai tweeté, effectivement, effectivement, j'ai tweeté ce 3e épisode, je rush avec des abonnés, ok. Donc le tweet est fait, mesdames et messieurs, je vous ai annoncé tout ce qu'il y avait et tout ce qui allait arriver sur Twitch, j'en reparlerai bien sûr, mais je vous invite à follow bien sûr, et le lien du Discord est dans la description du live. On est bon, écoutez, c'est parti. Écoutez, c'est parti, vas-y, on lance, let's go. Les compteurs, bah les compteurs ils sont bons. Les compteurs ils marchent. Les compteurs ils marchent en plus, et ça c'est exceptionnel. Attendez, ça fait 5 minutes qu'on est en live, je vous ai tout dit, les compteurs marchent, on est dans une game. Est-ce que c'est pas exceptionnel? Ça m'a l'air exceptionnel, c'est parti. Ah oui, parce que l'iPad faut qu'il chauffe, bonne chance évidemment, on lui dit bonne chance, et on lui envoie un petit emote bien sûr. Et là maintenant on commence à jouer. C'est parti mesdames et messieurs. Le compteur, ah oui, le compteur de victoire défaite, c'est ça que vous êtes en train de me dire, mais oui bien vu. Effectivement, ouais, non mais bien sûr, mais il est prêt, vous inquiétez pas. C'est ça. C'est ça que vous vouliez. C'est ça, on est d'accord. Ah merde, attendez, parce que oui, ça joue. Attendez, parce que j'avais oublié que je joue à Clash Royale en fait. Non, non, mais on est là après. C'est ça que vous voulez. C'est ça. Ça, c'est la game de chauffe. C'est la game de chauffe, on est d'accord, ça compte pas. On est d'accord. Non, non, mais, non, mais tranquille, on arrive sur le jeu, on se détend. Oh, il a un PK, il a un PK, ok. C'est pas grave, on va tempo. Non, mais ça compte pas, ça compte pas. Enfin, hashtag, je te vois en live le premier, trop content, je t'adore. Bah, Iliane, bienvenue. Bienvenue sur le live, frérot. Et tu sais que... Eh, je vais en profiter, les gars, hein, si vous me faites des passes dés comme ça dans le chat. Tu sais que je suis en live tous les jours sur Twitch, si tu veux me voir en live. En général, de 18h à 22h. Là, on est sur YouTube, mais si un jour il est 18, entre 18 et 22h, va voir sur Twitch, je suis probablement en live. Je vais le caler autant que je peux, les gars. Si vous me tendez des perches, à chaque perche, je vais prendre chacune de vos perches, vraiment. Vraiment, vraiment. Je vais en abuser, hein, vraiment. Je vous le dis. Après, en plus, on a fait une commande Twitch. Oh là là, mais c'est incroyable, cette organisation. Tu fais beaucoup de live. Ouais, ouais, en ce moment, je live beaucoup. En ce moment, je live énormément, mais c'est cool. Je kiffe ça, je kiffe. Twitch c'est payant, non non non, bien sûr que non, bien sûr que non. Évidemment que non, Twitch c'est pas payant, bien sûr que non. Bon bref, alors, concentre, non mais attendez, parce que 2 secondes, on rigole, mais là il faut vraiment se concentrer sur les games, vas-y, Cavabelli à droite. Attendez, parce que j'ai une game à gagner quand même, faudrait pas abuser non plus. Regardez le petit poison qui va partir ici. Nickel. Ok, on va mettre un bourreau sur le côté droit je pense, un petit bombardier, non 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 pas du tout. Petite armée de squelettes, bien sûr. Non mais j'ai eu chaud, mais ça passe. Eh ben, petit Cavabelli à droite. Peut-être la remontada du joueur français. Après avoir fait sa pub pendant 20 minutes. Oh, et peut-être le bomber qui est en train de taper sur la tour, mais regardez ce move. Incroyable. Incroyable. Je suis trop chaud aujourd'hui. Je suis désolé, je vais être insupportable. Je suis tellement en forme aujourd'hui. Ça, par contre, on perd la tour, non? Ah oui, on perd la tour. Ah, effectivement, on perd la tour. Mais ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. On va mettre un sorcier dans le fond du terrain. On a encore un PK en vie à droite. On a beaucoup de dommages de zone. C'est très cool. Là il a mis un PK. On est d'accord, on peut bourrer. On va bourrer. On va bourrer. On va bourrer comme jamais.
Et là, écoutez, on va partir PK derrière. Regardez si c'est pas bien ça. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Là, on va avoir un bourreau qui va être corner. Bon, effectivement, c'est un peu relou avec le fantôme, mais globalement, ça passe. Et écoutez, on prend notre temps. Oula, oula, non. Par contre, la voleuse de la corner, non. Respecte-toi quand même, Miss Mac. S'il te plaît. Un minimum. Cavabelli à gauche. On va partir poison. On est parti poison. Effectivement, c'est bien joué de sa part ici. On va mettre un bourreau juste là. On est dans la merde. Ça va, ça passe. Ok, comment on fait? Je sais pas comment on fait. On va tenter un truc. Non mais attendez. On va tenter un truc. Cavabélier, bomber. Parce qu'il va mettre forcément le... l'électro. Ah, il a mis l'électro. Hein. Sorcier derrière. Non, normalement là on est bon. Ça passe. Ça passe, il reste 20 secondes. Oh, il reste 20 secondes, oh merde. Il a plu, ça va foncer sur la tour, mesdames et messieurs. Alors peut-être le poison en plus. Ah dommage, good game. Good game, bon, elle compte pas, c'était l'échauffement. Non, tranquille. C'était l'échauffement, j'ai pas regardé l'écran de la game. Good game. Ouh, bon. Alors on a failli quand même remonter, je veux pas balancer. C'était chaud, ça s'est joué à 200 points de vie. Ouh. Bon, et tout, calmons-nous quand même, parce qu'on va pas tenir à ce rythme comme ça 2 heures de live. Il faut quand même se calmer. C'était la game de chauffe, vous savez, il y en a toujours une. Là maintenant, par contre, on va commencer à compter. Et là, on va tenter quand même de jouer les games un minimum sérieux. T'as loupé le zap. Ouais, mais de toute façon, le zap suffisait pas à rattraper. C'était pas loin. Non, en vrai, on n'a pas regardé l'écran. J'ai passé le début du truc avec mes colis, là, ça n'avait plus aucun sens. Ouf. Bon, les gars. Hashtag, quand pourra-t-on avoir les nouveaux skins de cartes? Bah j'en sais rien mec. Les nouveaux skins des cartes, c'est-à-dire, tu veux que je dépense mes étoiles, c'est ça que tu veux dire? Parce que c'est pas prévu pour l'instant. On est bientôt à 1 million, ça serait quand même dommage de ne pas atteindre 1 million d'étoiles. Après on verra ce qu'on en fait, bien sûr. Bien sûr. Bon alors. Alors. T'es en retard sur ton pass royal? Bah non, on est au 27. On va le finir avant une semaine, tranquille. Non, mais vous inquiétez pas les gars, évidemment qu'on va le faire. En plus, on va, à mon avis, bien rush du coup, c'est la dernière semaine. En général, je joue beaucoup la dernière semaine. Donc ne vous inquiétez pas les gars, On va prendre un autre deck. Voyons voir un petit peu ce que vous m'avez envoyé sur le channel Discord. Oula. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a du mortier, on a du big... Oula, oh la vache, oh le... Attendez, Polo. Ah, en vrai, attendez, ce deck il est drôle, c'est un deck méga chevalier, mais dans le sens vraiment, il n'y a que le méga chevalier dans le deck en fait, c'est ça le principe du deck, à mon avis ça peut être sympa. Alors attendez, je redémarre le jeu pour qu'on ait le son, deck méga chevalier mesdames et messieurs, mais là par contre je vais pas faire n'importe quoi dans ma game, je vais vraiment essayer de faire de mon mieux, ok, pour vraiment essayer de la gagner avec ce deck, c'est le but quand même, je vais essayer de rush avec vos decks, donc je vais vraiment tout donner, là cette fois-ci on se concentre. Ouais, le deck, ouais, on est d'accord, hein, le deck il est chaud, ouais, on est d'accord. Mais après, je pense que... Non, je pense que c'est possible. Vous savez, non mais je pense qu'on peut le faire. Je pense qu'on va le faire. Non mais tranquille, faites-moi confiance. Ça serait bien comme vidéo, comment dépenser 1 million d'étoiles. Je vais pas vous mentir, le comment dépenser 1 million d'étoiles... Je pense que je vais le faire. Je pense que ça peut être une vidéo marrante. Je pense que je vais le faire. Voilà. Non mais je vous donne une petite exclue, voilà, comme ça, sur le live. Je pense que je vais le faire. Voilà, j'en dis pas plus. Allez, c'est parti. C'est parti, mesdames et messieurs. Avec du coup un deck méga chevalier. C'est tout. C'est tout. Et par contre, là, cette fois-ci, on compte. Ok, là, c'est pas la game de chauffe. Là, on compte. Là, ça compte. Allez, c'est parti. Chauve-souris.
et Méga Chevalier au pont. Parce que j'ai envie de vous dire, on a un petit peu que ça à faire. On va tenter, hein, écoutez, avec Esprit de Guérison directement, on va tenter de faire passer le Méga Chevalier. Et on a du mini Pékin en face, ok. On va temporiser un petit peu, bien sûr. On va essayer de cycler, mais globalement, là, pour l'instant, je veux voir ce qu'on peut faire en termes d'un point de vue offensif. Ce qui est sûr, c'est qu'on va essayer de défendre parfaitement. Parce que dans le pire des cas, on va gratter avec les sorts à la fin. Oh, il joue Méga Chevalier, énorme. Ok, bon, il a mis Méga Chevalier, de quoi on va défendre avec le Méga Chevalier. On a que ça, de toute façon, dans le deck, hein, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ok, artificière. Bah on va full sort, hein. Écoutez, l'artificière, on va envoyer les sorts dessus. Oh la vache, ah oui d'accord. Oulala, mec, doucement. Bon par contre, en simple élixir en défense, ça va être compliqué, parce que du coup, là, je peux pas vraiment renvoyer un méga chevalier. Donc on va juste attendre, je pense. Et par contre, en double élixir, on va tenter d'envoyer un double, voire un triple méga chevalier. On va tenter. Non mais attendez, ça va le faire, faites-moi confiance. Esprit de guérison. Je vais quand même essayer de mettre un peu la presse. Ouais, à mon avis c'est pas mal ça, regardez. Attendez, là faut mettre des squelettes. Oh, regardez, c'est pas mal du tout ça. Est-ce qu'on va pas gagner avec un deck méca chevalier? Bien sûr que si, monsieur. Bien sûr que si, monsieur. Mais regardez ça, la tour qui va tomber, monsieur! Je suis trop chaud ce soir, hein. je vous le dis, ce soir, je suis en forme. Regardez ça, cette défense, infaillible, monsieur! J'ai même trop de cartes. Méga chevalier à droite, comme ça on défend. Et s'il m'en met un à gauche, on cycle. Et on reprend un méga chevalier. Il peut rien faire, on prépare les esprits derrière, le triple esprit, regardez ça! Regardez ça! Est-ce que vous avez déjà vu un gameplay comme ça? Je ne crois pas. On va essayer de sniper rapidement l'artificière. Oh non, je l'ai loupé, je suis nul. La bûche. Ok, la bûche qui est partie. La bûche qui est partie, mesdames et messieurs, c'est la fin de la game. Ce qui veut dire que... Oui! Oui, monsieur, c'est ce que ça veut dire, monsieur. Bien sûr, monsieur, c'est ce que ça veut dire. Bien sûr, monsieur, c'est la victoire avec un deck méga chevalier. Y'a quoi maintenant? J'aime déjà ce live, plus 27. Ah là 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 là. Hey, est-ce qu'on n'a pas fait une méga perf là à l'instant? Parce que fallait quand même la win cette game. Hein. Fallait quand même aller la chercher. Avec ce deck, c'est une victoire. Bon, ça fait 1-0 du coup. Je vais update le score. 1-0 mesdames et messieurs. Ça c'est fait. Bon, on s'est chauffé. Je pense qu'on est chaud. Il est temps d'aller chercher un autre deck. Alors attendez, qu'est-ce qu'on a sur le Discord? Allons-y. Alors je rappelle, hein, évidemment, pour ceux qui sont arrivés en cours de route, vous pouvez envoyer vos decks sur le channel Discord qui s'appelle Donnez vos decks, voilà, qui est juste là. Vous voyez les messages là, voilà, c'est maintenant, c'est tout de suite. Les messages, ils sont là. Vous pouvez du coup envoyer vos decks en direct et je vais essayer de regarder un petit peu ce que vous m'envoyez, essayer de les copier. Bon, même si là le bot n'arrive pas à suivre, il n'arrive pas à tout afficher, mais ça fonctionne. Voilà, je vais copier vos decks, je vais les jouer du coup dans ce live. N'hésitez pas à venir, c'est sur mon serveur Discord qui est dans la description du live. Et. C'est le channel qui s'appelle Donnez vos decks, qui est tout en haut du général. D'ailleurs, mon iPad a planté, il a pas supporté la pression. Attendez, je reconnecte, ne vous inquiétez pas. Allez hop, on reconnecte, c'est reparti. Peut-être. Alors si on peut pas, si c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a, mesdames et messieurs? Nous avons du golem clonage de Zodom. Ça me plaît pas mal ça, le golem clonage. Non mais attends, un petit truc un peu... Ouais, en vrai, celui-là, c'est un deck assez marrant, assez classique. On va faire, genre, je pense, une game un peu sérieuse, une game un peu troll. Vous voyez ce que je veux dire? On va essayer d'équilibrer un petit peu les forces.
suis pas sûr que ça fonctionne vraiment des masses. On est quand même avec du golem clonage, hein, donc je suis pas sûr du tout même. Mais à mon avis, ça devrait être pas mal. Golem clonage, du coup, c'est parti. Et on a passé les 1000 pouces bleus. Les 1000 pouces bleus. Merci à vous, les gars. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et on est en 1-0 pour l'instant. Donc, c'est parfait. Alors, golem clonage avec de l'archer magique. On sait pas trop ce que l'archer magique fait dans le deck, mais tranquille, tranquille. Ça peut le faire. On est à 5700 trophées. Et c'est parti. On lance la game. Et le hashtag, je suis un viewer de longue date. Juste force à toi et merci pour le contenu. Bah, merci à toi, Ménélic. Merci beaucoup, mec. Écoute, profite bien du live, bien sûr, avec des popcorns, c'est toujours mieux. Il met golem. On met golem. Comment on t'envoie nos decks? Va sur le Discord, Kraken. Va sur le Discord, il y a un salon qui s'appelle Donnez vos decks. Et vous envoyez votre deck ici. Et comme ça, je le prends en live. Ok. On va défendre tranquillement, il y a un mini PK, ce qui m'arrange pas des masses. Parce que je peux pas y faire grand chose pour l'instant. Et on a des archers, des dragons squelettes. On va mettre un archer magique, je pense, pour défendre tout ça. On va tempo pour l'instant. On tempo. Attendez, non, la foudre. Oh, la foudre. La foudre qui a été mise. Mesdames et messieurs, c'est incroyable. Et on a quand même une petite contre-attaque. Je pense pas qu'il ait beaucoup d'élite. Est-ce que... Oh ouais, c'est pas mal. Regardez avec les chauves-souris. Finalement, il va zapper. Ok, très bien. On a mis un peu de pression et on gratte quelques dommages. C'est parfait. Enfin, c'est pas mal. Je pense qu'il va repartir golem. Du coup, j'ai envie de repartir golem aussi. J'ai l'avantage. Ok, c'est bon. On repart tous les deux golem. Très bien. On a compris la strat. Vous sentez l'odeur de la défaite. Mais pas du tout, mec. Regarde ça. On est pas mal. Alors, le problème, c'est qu'il a mini PK, ce qui m'embête un peu. Mais regarde, avec un archer magique ici, il va paniquer. Il va paniquer, il va se dire oh là là, oh là là, oh là là. Nous, on va mettre une sorcière juste ici. Il me faudra un petit bébé dragon pour aller gérer les chauves-souris. Et éventuellement, ça pourrait être pas mal. Ok, parfait. C'est pas mal. C'est pas mal pour nous, on a mis quelques dommages. Alors le souci, c'est que là, du coup, on va peut-être un peu avoir du mal avec, malheureusement... Ok, non, c'est bon, on a bien défendu. Je pense qu'on a bien défendu. Et on va repartir golem fond de terrain. Est-ce qu'on a l'avantage? Il repart pas golem tout de suite. On a plutôt l'avantage, donc ça c'est une bonne chose. La Valkyrie, par contre, on peut pas y faire grand chose. Je pense que je vais la laisser. Me dis pas qu'elle tape sur la tour, dis-moi que le golem prend l'aggro. S'il te plaît, archer magique. On va mettre une foudre juste ici. J'ai pas pu sauver malheureusement. Oula. Le golem qui arrive sur la tour, il a pas explosé sur la tour malheureusement. Et on va prendre. Je pense qu'on va se prendre la tour tous les deux. Hein. Ah va falloir qu'on envoie une foudre à gauche. Ah non mais attendez, j'ai pas la foudre en main. Non. Oh non. Dommage. Dommage. Eh, en vrai, non mais on va perdre avec les bons decks. Et on va gagner avec les mauvais. Hein. Non mais ça va se passer comme ça en vrai. Hein. Ça va se passer comme ça. Dommage, je pensais que j'avais la foudre pas loin. My bad. Artemus, merci à toi. Salut, désolé, c'est que 2 euros, mais t'es le boss. Mais t'inquiète pas, y a aucun souci. Un grand merci à toi. Merci beaucoup pour ton don. Et bienvenue sur le live. Ah non, malheureusement, la défaite. On est mauvais. On n'est pas très bon. Bon allez, donnez-moi des... Attends, on va prendre un deck un peu troll maintenant. On va prendre un deck un peu troll. Parce qu'on a l'air de bien gérer. On a l'air de mieux jouer avec un deck troll. Donc prenons un deck troll. Faisons ça. Oula. L'Arkix avec l'électro-géant. Ouais. On a un deck méga chevalier ballon ici. Ouais, pourquoi pas. On a quoi au-dessus? Ouais, méga chevalier ballon qui a été envoyé ici. On a du Molosse Zappi. Ouais. Ici, on est sur du golem élixir. Non, celui-là, il est un peu trop classique. On a quoi de sympa là? Il galère un peu le bot. Oh, on a du géant royal Zappi. Ça m'a l'air pas mal ça, le deck de Master Z. Du géant royal Zappi, ça m'a l'air sexy quand même. Vas-y, on va tenter ça. Et le son qui a l'air de bugger. On va redémarrer le jeu à chaque game. Hein. Je pense que tout simplement,
On va faire comme ça, ça sera plus simple. On va avoir le son comme ça à chacune des games. On est en 1-1, mesdames et messieurs. On va essayer de monter un petit peu. Je t'envoie un deck très dur à jouer. Écoutez, je vais voir ça. Je les prends un peu. Enfin, vous voyez, ça défile. Hein, vraiment, vous êtes beaucoup à m'envoyer vos decks. Donc, j'essaye de regarder un petit peu ce que je peux prendre. Là, en l'occurrence, pour la troisième game, du coup, on va tenter du Géant Royal Zappy. Je pense que ça peut être sympa. Je pense que ça peut être sympa. Il y aura une rediff. Ouais, Vincenzo, je mets toujours les rediffs. À moins qu'il y ait un gros bug. Je mets les rediffs sur la chaîne, donc il y aura la rediff. Hein. Ne t'inquiète pas, bien sûr. Alors, c'est parti. Géant Royal Zappy. On va voir un peu ce que ça donne. Et on est contre Bendé. Parti, bonne chance. Petit feu à gobelin, histoire de prendre un petit peu la température. Ok. Valkyrie sur le côté gauche. On va tampon un peu parce que le souci que j'ai actuellement... C'est la défense. Ok, c'est bon. On a géré. Ah, on n'a pas géré tant que ça en fait. On va mettre un feu à gobelin défensif. Ouais. Dès les 30 premières secondes de la game, un feu à gobelin défensif, c'est mauvais. C'est pas un bon signe. Mais ça va. On a mis quelques dommages à droite. Ça passe. Tu fais encore gagner des emotes. Alors Burger, les emotes que je fais gagner en général, c'est pour des événements. C'est pas moi qui les fais gagner, c'est Supercell. Donc en l'occurrence, non, en ce moment, il n'y a pas d'événement pour gagner des emotes. Mais j'espère qu'il y en aura éventuellement pour les... C'est les 4, les 5 ans du coup de Clash Royale. Parfois, il y a des événements. Depuis les 3 ans, il y a eu 3 ans, 4 ans. Il y aura peut-être pour les 5 ans de Clash Royale des emotes à gagner. Et les 5 ans, ça sera du coup en mars. En général, je crois que c'est le 1er mars de mémoire. Donc en vrai, peut-être que dans 2 mois, il y aura un truc, il y aura un événement pour les 5 ans. Je sais pas, hein, je te dis ça, c'est pas moi qui gère, bien sûr. J'ai un royal qu'on va mettre, surtout pour tanker en fait et pour que le Zappy fasse son boulot. Tire le Zappy ! Les flèches. Flèches qui sont parties. C'est pas mal. Oh la vache, hey, regardez, le Zappy met tellement des patates, mon gars, que même mon iPad, il arrive pas à gérer. Clash Royale a déjà 5 ans, ouais. Et Clash Royale a déjà 5 ans maintenant en fait. Genre, les 5 ans en fait, c'est les 5 ans d'anniversaire du lancement mondial. Mais il était sorti en bêta avant. Moi j'ai le badge des 5 ans. Je l'avais posté sur Twitter. Ok, attendez 2 secondes, j'ai une game à gagner, je reviens. 2 secondes. Ok, attention. Ok, ça met des patates. C'est pas mal ça, regardez. On push avec des esprits de feu. Pourquoi pas. Tout est bon pour le Zappy. Les flèches. Vite. Flèches qui sont tombées, mesdames et messieurs. La défense qui est bonne de la part de l'adversaire. Valkyrie. Et je pense qu'on va tenter un petit géant royal juste là. Je suis pas sûr qu'il ait grand chose pour défendre. Je suis pas sûr qu'il ait encore ses flèches. Il a les flèches malheureusement. Ça va taper sur la tour, ceci dit. Deux coups. Ok. Normalement j'ai cyclé vite là. Il doit pas avoir les flèches. Il a pas les flèches. Oh, il a bien joué. Oh, la Valkyrie. J'ai cru. Ok, ça passe. Oh, ça... Quoi ? Non. Allez, un dernier coup ! Oui, le dernier coup qui passe, monsieur ! Oui, monsieur, la victoire ! Incroyable ! On a eu chaud. On a eu très très chaud. C'est un 2-1. C'est validé. Le deck est validé. Je
Je vais pas tenir 2 heures. Je vais pas tenir 2 heures. Non mais qu'on soit très très clair. Là, je vais pas là les gars, on a mais vraiment les games qu'on a, c'est une vidéo le truc. Vraiment. En général, pour tourner une vidéo, je passe toujours 1 heure voire 2 heures de tournage pour vraiment avoir des games nickel. Enfin, ça dépend les concepts. Mais bref, vous avez compris. Là, les gars, on a que des games insane. Mais vraiment, c'est j'en peux plus. Je suis fatigué déjà. Vous savez quoi, on cut. C'est une vidéo en fait. C'est une petite vidéo. On cut le live ici. Et bonsoir. Est-ce que ça vous va? Je pense pas que ça vous aille. Elvins, merci à toi. Merci beaucoup pour les 2 euros. Le deck de bourrin. Effectivement. Effectivement, merci à toi Elvins. Merci beaucoup. Bon. Faut se remettre de ses émotions, bien sûr. On va récupérer les récompenses. On avance hein, tranquillement. Ouais, j'ai pas de rare, donc on s'en fout. La seule carte dont j'ai besoin, c'est soit des légendaires. J'en ai 2-3 encore des légendaires à augmenter. Ou alors de l'électro-esprit que j'ai pas encore niveau maximum, j'en suis pas loin. On va essayer d'aller le chercher à la place de l'artificière qu'on ne veut pas. On n'aura pas les électro-esprits, malheureusement. Je suis à combien? Je suis à 4002. 4002, on y est bientôt. Bon alors, j'avais pas vu aussi le Zappy à 19 sur 20. On a pas un truc dans le shop là? Mis à part le code créateur hashtag qui est tout en bas. Bien sûr, que je n'ai pas rentré, quelle honte. Attendez 2 secondes. Surtout qu'en plus dans... Ah non, c'est pas dans une semaine. C'est pas dans une semaine, mais c'est bientôt la nouvelle saison. Donc il y aura bientôt des offres, probablement. Bref, on le met au cas où. Alors, on va changer de deck. Voyons voir un petit peu ce que vous m'envoyez du coup. Je le rappelle, hein, si vous voulez m'envoyer des decks et que je les joue en live, vous allez sur mon Discord qui est dans la description du live. Vous allez sur mon Discord et vous allez juste ici dans le salon qui s'appelle Donnez vos decks. Voilà, tout simplement. Et là, vous envoyez le lien vers votre deck comme le font tous les gens ici. Et du coup, ça me fait une liste de decks. Et je choisis tout simplement parmi tout cela. Voici le salon en direct hein, en ce moment, actuellement. Le bot est un petit peu en panique, hein, n'est-ce pas? Alors, voyons voir un petit peu ce que vous m'envoyez. On a du Bouliste. Eh, celui-là, il me plaît pas mal, là. Attendez. Le Bouliste, là, vous en pensez quoi? Il m'a l'air sympa. Le Bouliste un peu Lockbait, Bouliste Rocket. Oula, 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 attendez. C'est BSP qui m'a envoyé ça. Voyons voir un petit peu le deck de BSP. Regardez ça, il me plaît bien. Ça fait un petit peu un Lockbait, mais pas vraiment totalement un Lockbait, tu vois. Un Lockbait un peu travaillé. On va recommencer, on va rallumer le jeu évidemment pour des questions sonores. Il y avait un deck full bâtiment. Ah oui, alors. Non, full bâtiment, c'est très très dur de gagner avec full bâtiment. Full bâtiment, faut vraiment y aller, hein, vraiment. C'est compliqué. Alors, Bouliste, le Bouliste il est là, très bien. Il m'a l'air pas mal ce deck, en plus on a toutes les cartes niveau max. Donc écoutez, on va se mettre très très bien. C'est parti, pour l'instant on n'a pas vraiment pris de trophée depuis le début. Parce qu'il y a une défaite de la game de chauffe aussi qu'on n'a pas compté. Donc on est en 2-2, fondamentalement. Donc écoutez, allons-y, essayons ça. Alors on est parti, voyons voir un petit peu, on dit bonne chance bien sûr, et on part avec le mini PK juste ici. Ok. Ouais, la roquette avec le gobelin au-dessus, regardez ce skin. Ça tombe directement sur la tour, ça fait toujours plaisir. Il faut une FAQ bientôt, hashtags. Alors Enzo. Eh, je vous ai dit, si vous me tendez la perche, les gars, je vais la prendre instantanément. Enzo, sache que sur Twitch, il y a le lien dans la description si vous voulez, sur Twitch, je discute toujours une demi-heure au début et à la fin des lives. Donc si tu veux discuter, si tu veux me poser des questions, vraiment Twitch, mais zéro van, hein, vraiment, c'est vraiment le bon endroit pour le faire. Non. Aïe. On a pris cher. Alors attendez, je me concentre. La roquette, on va la garder pour les 3 mousquetaires. Je pensais pas que ça serait 3 mousquetaires en face, j'avoue, ça fait longtemps que j'en ai pas vu. Mais tranquille. Le dart ici. Oh non, mais vas-y. Bon, c'est pas grave. Non, mais on rage pas, on va pas rager dès la première demi-heure du live. Non, on rage pas. Pas deux fois, Uchiha. On se fera pas avoir deux fois. On va pas mettre la roquette.
Bien sûr que non. On peut même carrément... On va mettre la roquette, 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 on va mettre la roquette. Oh là 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 là, mais c'est quoi le deck en face? C'est une blague! C'est une blague en fait! Et, mais comment je gère ça? Parce que là il va partir 3 mousquetaires, forcément, sûr, 100%. Mais comment je gère ça? Mais comment je fais? Attendez, peut-être le dart à gauche. La princesse, peut-être. Mais mec, mais gros, mais comment je fais? Bah comme ça en fait. Bah comme ça en fait. Mais mec, non mais c'est pas possible. Mais arrête, 2 secondes. Par pitié, arrêtez ça. S'il te plaît, le bulliste, pousse, pousse, pousse. On en a eu qu'une, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ah, c'est terminé. C'est terminé, good game. Oh la vache, le deck qu'il avait en face, mec. Aïe, aïe, aïe. C'était quoi ce deck en face, mec? Attends. Il y avait quoi? Il y avait Barbardelli, double prince, le mini P.K., le sorcier et le triple mousquetaire. Non mais, mec, impossible. Je me suis fait éclater. Alors là, j'ai pas compris, je me suis fait éclater. Non mais vraiment, là, le mec ne m'a pas respecté, quoi. Il m'a même envoyé des emotes, mais je peux même pas rager, je suis abattu, en fait. Ah, je suis abattu. Les gars, j'ai besoin d'un bon deck. Les gars, j'ai besoin de votre aide. J'ai besoin d'un bon deck, s'il vous plaît, par pitié, un truc cool, un truc qui me fait gagner. Alexandre, merci à toi. Si tu fais 7-2, je te donne 20 balles. Mec, c'est mal parti. Hein. Surtout que je suis pas... Oh, du bomber. Ah, j'aime bien le bomber. Hein. Là, j'avoue, le deck de Deadshot, là, je l'aime bien. Attendez, je vais prendre un truc un peu plus récent quand même, parce qu'il y a 83 messages qui attendent. Mais bomber, j'aime bien. Si vous m'envoyez un deck bomber, il y a peut-être moyen que je clique dessus. Je vais pas vous mentir, je suis peut-être un petit peu biaisé. Mais Alexandre, je vais pas te mentir, c'est mal parti hein, pour les 7-0, pour le 7-2. Je veux pas être pessimiste, hein, mais... Bon, le concept du live, c'est que je rush, je vais pas te mentir. Comment dire, je pense des rushs. Je pense des rushs un peu. Mais après, c'est cool, hein, c'est marrant. Alors attendez, vos deck. Oh, le bomber, ça y est, bah voilà. Là, Dova Willy, il a tout compris. Dova Willy, il a tout compris, il a pris son deck, il a mis un bomber dedans. Mais je prends, bien sûr que je prends. Ah non, ah si, bomber. Bomber, mesdames et messieurs, avec du géant squelette, gel, cimetière. C'est cool. Ça change de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. On reconnecte. Ok. Alors, attendez. On reprend le deck. On le copie. On réouvre Clash Royale. On copie le deck. Il est pas mal, ce deck. Hein, je l'aime bien. Non, mais il est sexy. Il est sympa. On va ouvrir le coffre, évidemment. On va mettre ça dans la file. Et on va partir. Mesdames et messieurs, Elvins, merci à toi encore une fois pour les 2 euros. Des news sur la No Tilt. Alors, j'ai pas de news à vous donner, mais sachez que je suis en contact pour la No Tilt. Voilà, sachez-le. Je sais pas ce que ça va donner, mais sachez-le. Voilà. Donc, je vous tiendrai au courant, évidemment, les gars, pour toute compétition qui peut potentiellement arriver. Il y a la No Tilt, du coup, la Coupe du Monde, qui va commencer bientôt. Il y a ça, et il y a la CRL aussi. Deux grosses questions, j'ai pas d'infos à vous donner maintenant. Voilà, je vous le dis sincèrement, je vous le dis de manière totalement transparente, j'ai pas d'infos, mais je vous tiens au courant. Sur les réseaux, notamment sur Twitter, s'il y a une grosse annonce à faire. Et plus en détail, évidemment, comme je le disais, quand je suis en live sur Twitch. Et si j'ai des nouvelles, je vous en parle. Voilà, tout simplement. Je vous en parle en direct sur Twitch. Comme je disais, sur Twitch, en général, je discute pas mal. Donc, quand j'ai les petites nouvelles à vous donner, je vous les donne. Et les grosses annonces, c'est sur Twitter. Et sinon, bah, abonnez-vous à la chaîne, bien sûr. Activez la cloche. Et dès qu'il y a un truc qui pop, genre une CRL ou une No Tilt sur ma chaîne YouTube, au moins, vous serez au courant. Voilà, j'espère que c'est clair. Et on va partir avec ce deck. Alors du coup, je suis désolé, Elvin, je t'ai pas vraiment donné d'infos. J'ai un peu parlé pour rien dire. Mais je peux pas dire plus, en fait, pour le moment. Mais voilà. Et pour Brawl Stars... Ah, les gars,
Si vous étiez sur le live Twitch de tout à l'heure, vous auriez des infos sur Brawl Stars. Effectivement. Ah, et c'est possible. Ouais, je vous ai dit, hein, toutes les perches, je les prends. Toutes. 100%. Alors, on est contre Nurul. Et notre ami Nurul, je sais pas ce qu'il joue pour l'instant. J'ai pas un mauvais deck là, donc en vrai on doit faire une victoire. En vrai, il faut assurer la victoire là-dessus. Ok, c'est parti, squelette géant. Dans le fond du terrain. Il a mis une tornade, je vais laisser la Valkyrie taper, on s'en fiche. Elle mettra qu'un coup. Et je pense que je vais partir cimetière. Je pense que je pars cimetière. Est-ce que je pars gel? Je pars gel. Allez, je pars gel et j'ai eu la Valkyrie, monsieur! Je suis désolé, aujourd'hui j'ai un skill incommensurable. Incommensurable. C'est pas possible. Attendez, la bombe. C'est parfait. On va tamponner un petit peu, on lui a mis un peu la pression. Non, on va mettre un chevalier quand même pour défendre. On joue cimetière, donc on va... Bon, on va être safe. Méga gargouille dans le fond du terrain. Ouais. Et en vrai... Petite tornade. Non, j'ai loupé la tornade. Oubliez ce que j'ai dit pour le skill. D'accord. Juste oubliez. Vas-y, squelette géant. Ouais, ok, une... Ouais. Bah, c'est violent quand même. Hein. Est-ce que, à votre avis, est-ce que je peux pas tanker le squelette géant? Ça va lui mettre la presse, ça. Ok, ouais, si tu veux. Un petit gel, hein, ceci dit. On va pas se gêner. Il m'a un peu mis la pression, mais la bombe, normalement, devrait faire le boulot. Attendez, parce que là... J'ai juste un peu peur d'un truc. C'est exactement de ça que j'avais peur. Je voulais l'éviter. C'est pour ça que j'ai mis la tornade plus haut. Oh, je suis... Putain, j'ai dit un skill incommensurable, mais je me prends un karma, mais immédiat. Oh oui. Oh oui, c'est loupé aussi. Oh, vas-y, je bourre. Regardez ça. Attention, ça part, monsieur. Il met une Valkyrie, je gèle direct. Il a pas mis du tout le gel qui va tomber. Le gel qui tombe, monsieur. Et le bomber qui va finir. Le bomber qui finit la tour. Ça, c'est fait. Incroyable. Good game. En fait, c'est game, ça n'a aucun sens. Hein. Bon, je la méritais pas, celle-là. Mais au moins, elle est gagnée. Elle est gagnée. Y a pas de... Voilà, elle est gagnée, tout va bien. Faudrait que tu choisisses les decks au hasard. Ouais, mais tu veux que je fasse ça comment, Lusiane? Comment tu veux que je peux pas faire mieux que juste regarder et en prendre un peu au pif? Enfin, je prends un peu au pif, tu vois. C'est selon ce que je vois, ce qui a l'air sympa. Je peux pas vraiment les prendre au hasard. Bon, on s'en est sorti avec ce deck. Mesdames et messieurs, tout va bien. On remonte du coup. On remonte. Eh, très sympa ce deck. Hein. Je sais plus qui me l'avait envoyé, mais merci beaucoup. Très cool. Et le bomber, les gars, le bomber. Hein. Ah, vous savez, moi, je suis très fan du bomber. Tout ce qui est bomber et sorcière, il y a moyen que je sois un petit peu biaisé. Non, mais je vais pas vous mentir. Non, mais c'est possible. Alors, voyons voir un petit peu. Je rappelle, un petit rappel, si vous arrivez sur le live en cours de route, vous pouvez bien sûr m'envoyer vos decks sur Discord. Voilà, vous rejoignez mon Discord qui est dans la description du live. Premier lien de description. Vous rejoignez le Discord et vous envoyez votre deck dans le salon prévu pour ça, à savoir le salon Donnez vos decks. Voilà, c'est clair, c'est limpide. Il y a un petit point rouge, c'est celui-ci. Et évidemment, vous pouvez aussi vous tromper de lien et cliquer sur ma chaîne Twitch. Et à ce moment-là, vous pouvez aussi suivre ma chaîne Twitch si vous vous trompez par totale inadvertance. Bien sûr, c'est pas comme s'il y avait un live juste après celui-ci. Alors, donc le deck, mesdames et messieurs, on va descendre. Qu'est-ce que vous m'envoyez? Attendez, je vais un petit peu regarder. Tiens, je vais un peu regarder ce qui se passe. Alors, voyons voir. On a du Cavabélier,
Oula, oh là là, oh là là, le deck, oh là là, le deck. Le deck de Foxy Negin là, je l'ai pas vu, j'ai pas vu le deck, j'ai pas regardé. Excuse-moi, pardon, j'ai loupé ton deck. C'est bête, hein, quel dommage. Ouais, on a du géant squelette clonage. On a le deck, ah ouais, ce deck géant, ouais, ça va trop vite. Électro-géant, il était pas mal aussi. Par contre, attendez. Le deck de Equinox, il force un petit peu avec Equinox, je crois. Merci à toi, Dova Willy. Merci beaucoup pour... Ah mais attends, c'était toi le deck, non? C'était pas ton deck, Dova Willy? Je crois que c'était ton deck. Attendez, le deck de Equinox. J'ai loupé le deck de Equinox. J'ai loupé le deck de Equinox. Merci Dova Willy. Merci beaucoup pour le sub. Bienvenue enfin, pour le sub. Ça y est, je confonds avec Twitch. C'est terrible. Merci beaucoup pour le sponsor. Ça fait extrêmement plaisir. Je t'invite à rejoindre évidemment le... Bah, hey, tiens, sur Discord. Regardez. Pour les subs, regardez, il y a un petit salon qui s'appelle Sponsor. Vous allez ici. Alors moi, du coup, je suis pas sur mon compte principal. Je suis sur un second compte. Donc, j'ai pas accès à l'espace sponsor. Mais normalement, là-dedans, là, il y a plein de salons faits exprès pour les gens qui sont sponsors ou sub à ma chaîne Twitch. Donc voilà. Tu peux y accéder, Dova Willy. Fais-toi plaisir. Alors, du coup, revenons à nos moutons, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? 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 Un truc qu'on n'a pas joué encore. Un truc un peu sympa. Ouais. Du ballon. Ouais. Attendez, je l'ai... Ah, merde, attendez, j'ai cliqué sur un truc au hasard. Bah écoutez, ça sera ce deck, hein. J'ai pas fait exprès de cliquer, ça sera ce deck, mesdames et messieurs, ça sera ce deck. Allons-y. Allons-y. Je sais pas ce que ça vaut. Là, pour le coup, on me reprochait de pas prendre les decks au hasard, c'est au hasard, j'ai pas fait exprès de cliquer. Allons-y, let's go. Allez, c'est parti. Tarutaman, bonne chance. Popcorn, cochon. Ok, on a des barbares en face. Ouais, pourquoi pas, ça me va. Je peux faire avec. On va mettre des gargouilles. On a un deck qui est plutôt rapide. Mais en vrai, j'aime bien ce deck. On rigole, mais j'aime bien ce deck. On n'a pas l'habitude de le voir. Clairement, c'est pas un deck méta. Mais c'est un deck qui m'a l'air quand même assez équilibré. Genre 0 van, je pense. J'ai pas vu qu'il me l'a envoyé, je suis désolé. Mais je pense que c'est le vrai deck de la personne. Et je l'aime bien. Il est inspiré de decks un peu méta qu'on a pu voir à droite à gauche. Il est quand même assez personnel. J'aime bien ce deck. On va partir dans le fond du terrain, je pense, avec des recrues royales. Et on va temporiser. Tu fais quand des lives? Alors sur YouTube, ça dépend, c'est un peu aléatoire. C'est pour ça qu'il faut s'abonner et activer la cloche. Mais sinon, j'en fais très souvent sur Twitch. Si tu veux, le lien est dans la description. Toutes les perches, les gars, toutes les perches. On va mettre un dart, hein, juste là, je pense que c'est une bonne idée. On a gratté quelques dommages. On va pouvoir aller gérer l'archer magique avec le fût à barbare. Oh, et regardez cette maîtrise du jeu. Le joueur français qui impressionne. Les joueurs professionnels, je sais pas quoi dire. Ah mais regardez cette défense, non mais s'il vous plaît. J'aime bien ce deck, vraiment, zéro van, j'aime bien ce deck. Oh le coup, oh le oui. Oh regardez ce mini P.K. Incroyable, incroyable. On va repartir recrue fond de map je pense. Quoique, non on va mettre la pression. On va garder ça en défense pour le P.K. Voilà, regardez, là maintenant on va les mettre pour défendre le P.K. Et en plus on va mettre la pression avec du coup le cochon qui est parti taper sur la tour de gauche. On est très bien pour l'instant dans cette game. Un dernier coup, le dernier coup qui est passé. Alors le problème qu'on va avoir avec ce deck là, c'est qu'on n'a pas de petit sort pour aller justement terminer cette tour. Ça peut être un vrai souci par contre. Et on n'a pas de sort tout court. On n'a pas de sort tout court. Là je pense qu'il a très très bien joué. Ok, j'avais pas vu le truc venir, mais je pense qu'il a bien joué parce que clairement j'avais pas de quoi. J'ai pas de sort en fait. Donc s'il amasse ses troupes, je ne peux rien faire. Aïe! Oh là là, oh, il a parfait. Oh là, oh là là, oh là là, oh là là. On va prendre tir à gauche. Non, ça va.
On va mettre des gargouilles ici. C'est pas évident là comme, comme partie. Mais peut-être qu'avec un combo pêcheur cochon. Regardez, regardez, regardez. Simel PK il est foutu. Simel PK il est foutu. Bon, c'était un move qui avait l'air impressionnant, mais en fait il était pas dingue. On n'a pas vraiment gratté. Mais en vrai, non, mais tranquille, tranquille, tranquille. Oh non, j'ai loupé. J'ai loupé le PK. J'ai loupé le PK. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Peut-être, 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 peut-être. Alors il a bien joué encore une fois avec la défense. Le cochon qui va taper une fois. On n'a pas de sort, c'est terrible. On est en triple élixir, mesdames et messieurs. On est en triple élixir, mesdames et messieurs. C'est très chaud, c'est très très chaud. Je donne tout. Je vous promets, je donne tout. Il a essayé de pré-shot. Pourquoi est-ce qu'il a essayé de pré-shot? Il a fait quoi? Parce que du coup, je fais ça. Je fais ça. Je fais ça. Je fais ça. Le coup de cochon. On gagne. On gagne au dommage. On gagne au dommage. C'est gagné, mesdames et messieurs. C'est gagné. Bien joué. Eh, j'ai eu chaud, j'ai eu chaud. On a vu, eh, c'est marrant, on a vu la force du deck, mais on a aussi vu sa faiblesse qui était qu'on n'avait pas de sort. Et du coup, la défense a été très 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 compliquée. Finalement, on arrive à s'en sortir, c'était pas évident. Cochon face à PK Barbare. Mais c'est une victoire, c'est une victoire. Ça fait 4-2. Et on commence à chauffer aujourd'hui. Bien joué tout le monde, bien joué. T'es le boss, on a fait des belles games, on a fait des belles games, j'avoue. Mais vos decks sont bons aussi, c'est grâce à vous les gars. T'as plus de viewers sur Twitch ou sur YouTube? J'ai beaucoup plus de viewers sur YouTube, hein, bien sûr, étant donné que ça fait 5 ans que je suis sur YouTube. Ça fait 5 jours que je suis sur Twitch. Donc, c'est pas une vanne, hein, c'est vraiment les vrais chiffres. J'ai fêté les 5 ans sur YouTube. Ma première vidéo Clash Royale, elle est sortie le 10 janvier 2016. Donc on a fêté les 5 ans il n'y a pas longtemps. Et ça fait vraiment 5 jours que je suis sur YouTube parce que j'ai commencé mercredi. Donc il n'y a aucune vanne. Il n'y a aucune vanne. Bon alors, ce deck était pas mal. On va changer, bien évidemment. On va partir, on va faire ça. Je crois que ça marche, hein, si je ferme le jeu et que je fais ça. Ça c'est pas mal. Alors, mesdames et messieurs, on va passer les 2000 pouces bleus d'ailleurs. Attention, attention, attention. Les 2000 qui sont passés. Merci à vous, merci beaucoup les gars. Merci de votre soutien. Vous êtes plus de 2000 sur le live, hein, bien sûr. Un grand merci à vous, ça fait grave plaisir. Merci d'être là, j'espère que vous passez évidemment un très très bon moment. Et n'hésitez pas évidemment à vous abonner, hein, pour ne rien louper des prochaines vidéos, des prochains lives qui vont arriver. Il va y avoir des trucs sympas. Sachez que j'ai déjà tourné la prochaine vidéo, elle est tournée, il faut que je la monte. Et je vous la sors début, milieu de semaine prochaine. Et ça sera une vidéo deck. Voilà, je vous l'ai dit. Ah, voilà, parce que c'est la fin de saison, je me dis, vous cherchez des decks. Il va y avoir le tournoi mondial en plus qui va débuter bientôt. Je me suis dit, une vidéo deck, ça va être intéressant. Donc, il y aura une vidéo deck. Bref, le deck. Enfin, en parlant de deck, justement. Voyons voir un petit peu. Oh là là. Oh là là, le deck de Légendo. Oh là là, le deck de Légendo. Oh là là, cette dinguerie. Ça me plaît les gars, mais m'envoyez pas des trucs comme ça. Bien sûr que oui, je vais jouer 3 mousquetaires, ce miroir clone. Bien sûr que oui, je vais jouer ça. Je vous croyais vraiment que vous allez m'envoyer ce deck et que je ne vais pas le jouer. C'est mal me connaître, c'est très mal me connaître. Salut HX, aurais-tu des conseils pour progresser? Je suis combattant 3 et je stagne. J'ai l'impression de pas bien connaître mon deck et qu'il n'est pas à moi. Bah écoute, et n'hésite pas à le personnaliser ton deck. Je suis désolé, je peux pas vraiment dire mieux que ça. Essaye de voir selon ce que toi t'aimes jouer, les combos que t'aimes bien, les combos que tu maîtrises. Voilà, essaye d'apporter ta touche. Et ouais, n'hésite pas à changer en vrai. N'hésite pas à tester des trucs en vrai. Tu vas peut-être un petit peu galérer en termes de trophées. Tu vas peut-être même descendre en termes de trophées. Mais n'hésite pas à persévérer avec un deck ou avec des combos que t'aimes bien. Voilà, c'est le meilleur conseil que je peux donner. Bon alors, 3 mousquetaires mineurs.
guérisseuse, miroir, clonage. On s'en fout. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. On tente. C'est parti, bonne chance. C'est parti, mineur. C'est parti, guérisseuse armée. On tente pas en début de game. On essaye de calmer un peu nos nerfs en début de game, histoire de bien jouer. De pas faire non plus n'importe quoi. La horde qui est derrière. On va peut-être avoir un petit problème là. Ok. Je sais pas trop comment la jouer en fait. S'il a un sort, on est vraiment dans le mal. Après, s'il a un sort et qu'il le met maintenant, on peut avoir 3 mousquetaires de niveau 14 sur le terrain. C'est totalement une possibilité. J'ai très envie de le faire. Non mais j'ai très envie de le faire quand même. Ah, il a une foudre. Aïe. Ok. Ok. Bon, comment est-ce qu'on joue cette game? J'en ai aucune idée. Là, je vais pas vous mentir, j'ai aucun plan de jeu. Là, je... Rien. Peut-être gratter un peu à gauche, histoire de mettre la pression. Ceci dit, je crois, de mémoire, qu'il a pas grand-chose pour... Ah, il a quand même un sorcier de glace. Il doit avoir une tornade là-dedans, non? Mais en vrai, si je horde miroir, soin. Ça peut être pas mal, ça, non? Regardez, genre là. On va séparer les 3 mousquetaires dans le fond du terrain. Mineur défensif. Ok, bien joué. Ok, ouais, ça défend de notre côté, ça défend. Il a pas l'élixir pour la foudre. Non, c'est bon, il l'a pas. On défend. On défend. Et en vrai, attendez, je crois qu'il y a un move. C'était pas le bon move. C'était pas le bon move. C'était pas le bon move. C'était pas du tout le bon move. C'était pas le bon move. Je crois que c'est terminé. Parce que là, même si je mets la défense, malheureusement, il va avoir la foudre. Ouais, GG. J'ai tenté un truc sur la fin. Good game. Ah, malheureusement, c'était dur. On avait 3 mousquetaires, mais il avait une foudre en face. Et l'autre option qu'on avait, c'était la horde. Mais il avait tornade et pas mal de dommages de zone. Je pense que si ça avait été un golem, mais sans le combo... Enfin, surtout sans le sorcier de glace, je pense qu'on aurait pu faire un truc. Dommage, je suis désolé. Sincèrement désolé de vous décevoir sur cette game. J'ai essayé de mon mieux. Peut-être que j'aurais dû continuer à la jouer avec les 3 mousquetaires. Il avait pas l'air de trop vouloir foutre non plus, mais bon. Ah, dommage. J'ai tenté quelque chose, c'est pas passé. Écoutez, c'est pas grave, ça arrive dans la vie. Il faut tenter, il faut prendre des risques. Cette fois-ci, ça n'a pas payé, mais le prochain deck, il va payer. Attendez, je reviens ici, je reviens au milieu et voyons voir. Qu'est-ce que vous me proposez? On a du double prince cimetière, pourquoi pas? Comment on t'envoie un deck? Shadow, tu peux rejoindre le Discord. Le Discord qui est dans la description du live, si vous voulez.
Voilà, tu vois le salon défilé là actuellement. Discord du coup, vous cliquez sur le lien dans la description du live, vous allez dans le salon donner vos decks et vous pouvez tout simplement envoyer votre deck juste ici, sans aucun problème. J'en prends un du coup un peu au hasard, plus ou moins au hasard. Là le bug, regardez le bot. Le bot, normalement le bot il fait ça avec les decks. Hein. Normalement c'est ça qu'on doit avoir. Là il y a tellement de decks, il y a tellement d'envois que le bot il en peut plus. Alors, on a un deck avec la mamie sorcière, c'est pas mal ça. Est-ce que vous voulez pas m'envoyer... Envoyez-moi des decks mamie sorcière, on va la jouer, ça peut être drôle les gars. Envoyez-moi des decks mamie sorcière. On va faire ça, je pense. Je vais prendre un des premiers decks mamie sorcière que je vois. Je pense que ça peut être cool. Ça fait longtemps que je l'ai pas joué. Fait une défaite égale une carte dorée. Bah du coup, Natrist, c'est ce que je disais, il y a moyen que je fasse la vidéo comment gaspiller 1 million d'étoiles. Ça serait ça le concept en fait de la vidéo. Quand j'atteindrai du coup 1 million d'étoiles. Et là pour l'instant j'en ai 940 000 je crois, un truc comme ça. Mais c'est une vidéo que j'ai en tête, ouais, effectivement. Je pense que ça peut être marrant. Comme je l'avais fait à l'époque avec les... Comment on dit ? Vous avez compris ? Avec l'or. Bon alors les gars, mamie sorcière. Vous avez pas de deck mamie sorcière ? Là, regardez le deck de Aidez-moi. Le deck de Aidez-moi. Effectivement, c'est du géant gobelin avec la mamie sorcière. Allons-y, il me plaît bien ce deck. Ouais, on a du géant gobelin, on a de la tour à bombe éventuellement, on a de la sorcière, j'aime beaucoup la sorcière, vous le savez, et de la mamie sorcière. Allons-y. Alors, on va reconnecter, et allons-y. Ça sert à quoi, les étoiles? Les étoiles, Raphaël, c'est juste pour des skins, en gros, c'est juste pour le style des cartes que tu vas avoir en jeu. Moi, j'en ai certaines, des cartes dorées. Voilà, ça change un peu le look, c'est rien de... c'est pas des niveaux, tu vois, T'es pas meilleur au jeu avec des étoiles. Mais voilà. Alors. Voilà, par exemple, typiquement, la sorcière, je l'ai étoilée. Donc vous verrez, normalement, il y a des petits trucs un peu dorés sur la sorcière. Parce que je l'ai niveau étoilé. Voilà. Enfin, 2 étoiles même. Alors, on va tester ce deck. Du coup, géant gobelin avec mamie sorcière. Allons-y, let's go. Petite victoire, s'il vous plaît, ça serait sympa. Et on est contre DK, mesdames et messieurs. Bonne chance. On va commencer tour à bombe. Petit tour à bombe. Ok. Et il nous joue du fût. Très bien. On tempo pour le moment. DK, j'ai l'impression qu'il nous joue en lockbait classique. Logbait classique qu'on voit probablement avec du double fût. Ça y ressemble quand même très très fortement. On va mettre des flèches sur l'artificière parce qu'elle va vite être très relou. Ouais. Donc c'est pas ce que je pensais. Pas vraiment. Mais en vrai tranquille, on a la tour à bombe, ça va vraiment nous aider. Salut Hachak, c'est quoi ta caméra? La caméra là? La caméra qui filme là? C'est une bonne caméra. Hein. C'est un Sony A7 III. Mamie sorcière en vrai. C'est pas mal ça, non? Regardez. Regardez, un cochon. 2 cochons. 3 cochons. Des flèches. Et c'est parfait. Ah, il joue méga chevalier. Oh non, ça c'est moins parfait. Mais pourquoi il a 12 milliards de trucs dans ce... Il a un deck à 8K, à 20K, à 8K, bah non, un deck, un deck ça a à 8K. Non mais c'est pas possible. Oh non, on va avoir besoin d'autre chose. Ah non, bon, dommage. J'ai pris un peu cher à gauche, c'est pas cool. Ok. Est-ce qu'on partirait pas à droite? La réponse est non, on va partir à gauche. Je pense pas que j'ai besoin de défendre ça. Et pareil, je pense pas que j'ai besoin de défendre à droite parce qu'on a déjà un push en cours du côté gauche. Gobelin géant. Le gobelin géant, s'il vous plaît, qui va passer devant. Ah mais j'ai rien pour reset. Ça peut être embêtant. Ça peut être problématique. Non, je veux pas que le... Non, saute pas. Dommage.
Pourquoi il a fait ça? Ok, gobelin géant. Flèches qui vont partir ici. Oh, il a mis les béquilles chevaliers à droite. On est trop bien, on est trop bien, on est trop bien, on est trop bien, on est trop bien. On est trop bien. Oh, cette défense parfaite. Cette défense parfaite. On va en profiter, on va remettre des flèches sur la tour de gauche, il nous les offre un petit peu. On n'a plus qu'à cycler, ça fait combien une bûche niveau max? Ça fait combien une bûche niveau max? Ah bah il a abandonné, ça c'est fait mesdames et messieurs, il a abandonné, good game. J'étais pas sûr de la gagner celle-là, elle était tendue. J'ai fait une bonne défense, je pense que c'est ça qui m'a... Ouais, non, j'ai fait une bonne défense et il a aussi fait une erreur en mettant son méga chevalier à droite. Ça m'a totalement offert la victoire mesdames et messieurs, c'est un 5-3. Un deck plutôt sympa du coup avec la mamie sorcière, merci à celui qui me l'a envoyé. Merci beaucoup. C'était très sympa, je vous les montre. Vous pouvez essayer les decks hein, d'ailleurs si vous voulez de votre côté. Bon, je prends souvent des decks trolls donc faites attention mais voilà. S'il y a un deck qui vous plaît, qui passe et tout, n'hésitez pas à le prendre bien sûr. Tu penses quoi de la Mother Witch? La mamie sorcière, qu'est-ce que j'en pense? Elle est un peu faible. Elle est un peu faible, hein, malheureusement, elle n'est pas forcément super utile. C'est dommage d'ailleurs, et c'est dommage qu'il n'y ait pas d'équilibrage pour la rendre un petit peu plus, un peu plus sympa là dans l'immédiat. Donc bon, écoutez, on verra, mais ouais. Mais ouais, elle est un peu faible, c'est un peu dommage, franchement c'est un peu dommage. Un peu comme l'électrogéant, quoique l'électrogéant il est dans un deck ou deux qui sont vraiment très sympas. Donc l'électrogéant ça va encore. Mais oulala, non, par contre faut pas m'envoyer des decks comme ça là, les gars, le géant squelette, non. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Gloria, remerci à toi d'ailleurs pour le don. Hashtag pour quand je reprends les decks des adversaires. Bah bientôt. Je sais pas exactement quand. Et en vrai, l'année dernière, j'avais fait en février. J'avais fait la série sur le 2.6. Est-ce que je me tâte à refaire un truc comme ça au mois de février? Je me tâte à refaire ça. Et du coup, je sais pas si je ferai le concept les decks des adversaires le mois prochain. Ou alors si j'attends mars. À voir, je sais pas trop, mais je l'ai en tête, vous inquiétez pas, hein. Tous les concepts que j'ai fait, je les ai en tête et je compte les refaire, un peu comme ce concept là, mais je veux pas les faire trop souvent, comme ça on passe un bon moment, c'est un moment assez exceptionnel, là vous voyez, c'est seulement le troisième épisode, je le fais à peu près tous les 4 mois cet épisode, et en fait vu que j'ai pas mal de concepts, bah il y a quand même toujours des trucs sympas, et ça permet de kiffer chacun des lives où il y a des trucs sympas, parce que c'est pas souvent, tout simplement. Alors, voyons voir un petit peu. Nazi Nazi, je sais pas si on prononce comme ça. Nadji, je sais pas. Il nous envoie un cochon qui peut être sympa en vrai. J'aime bien le deck. Un cochon avec la fournaise, le miroir, le bomber bien sûr, parce qu'il veut que je joue son deck. Il a bien raison. Et la mamie sorcière. Franchement, j'aime bien. On va tester. On va voir un peu ce que ça donne. Alors, est-ce qu'on a encore un problème de son? On a encore un problème de son. On va redémarrer le jeu. Il faut vraiment que je prenne le réflexe de éteindre le jeu et de le rallumer ensuite avec le lien. Ok. Vas-y, c'est parti. Faut que je retourne sur le truc. On va reprendre le lien. Ok, yes, ouvrir. C'est parti. On va tester ce deck, je pense qu'il peut être pas mal. Ok, c'est parti, on est contre Gabo, mesdames et messieurs. Bonne chance. Et on commence tranquillement. Petite mousquetaire, fond de terrain. Mousquetaire, fond de terrain, on va avoir le bomber aussi pour la sorcière à droite. Donc ça, c'est absolument nickel chrome. La boule d'œuf. Ça, c'est une boule d'œuf de qualité. Oh, il joue bomber aussi, Gabo. Oh, Gabo, qu'est-ce que je t'adore. T'es un mec en or, frère. T'es un mec en or. Vraiment, je t'adore. Tu mérites tout mon respect. Vraiment. Est-ce que je défends ça? Ouais, petite fournaise. Petite fournaise. On va tempo un petit peu.
Il m'a l'air pas trop mal ce deck en vrai. Hein. À mon avis, on peut arracher une petite victoire. Le bomber, c'est une de mes cartes préférées. Je suis bien d'accord avec toi, Nolan. Je suis bien d'accord avec toi. Je sais pas pourquoi, j'adore cette carte. Le principe d'avoir un petit squelette qui te met des patates avec une bombe. Et en plus qu'il est lancé, ça... il y a ce côté un peu mignon de... Il saute pour envoyer la bombe parce qu'elle est trop lourde. Il est un peu... En... Tu vois. Il est un peu... Non, allez, j'aime bien. J'aime beaucoup la carte. Merde, j'ai pas mis deux. Attendez. Ah, vous savez quoi? Oh. Non, j'allais dire double bomber. Non, 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 non. Boule de feu, c'est mieux. Par contre, regardez ce push. Regardez, chevaucheur bomber. Le push chevaucheur bomber. C'est la nouvelle méta. C'est totalement la nouvelle méta. Ça va toucher la tour. C'est pas trop mal. On va mettre un gobelin à Sarbacane juste ici. Et une fournaise pour faire les dommages de zone également. Attention les squelettes, c'est bon. C'est géré de la part du joueur français. Du coup, tu vas streamer quoi après sur Twitch? Je vais streamer quoi après sur Twitch? Je vais streamer le défi. Il y a un nouveau défi miroir qui est sorti là avec 8 victoires. Donc à mon avis, on va faire ça ensemble sur Twitch juste après. Et après, on fera un peu de ladder pour remonter le trophée. Ou pour juste monter tout court les trophées. On va se faire une petite soirée posée comme ça. Attendez, je pars en flèche. Mets ton armée. Il a pas mis son armée. Je l'ai mis un poil trop tôt le chevaucheur. C'est pas très grave. Attention parce que là, ça commence à chauffer. Le bomber. Tu fais quoi? Non, 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 non. Mais mec, mais te barre pas comme ça. Il est fou, lui. Chevaucheur. Ok, on va avoir un chevaucheur qui va passer. J'aurais dû pré-shot. On a un peu gratté à gauche. Attendez, c'est tendu comme game. Oh, elle est tendue comme game. Elle est très très tendue comme game. S'il me balance un GR. Oh. Il va partir à gauche. Il m'aurait balancé un GR directement au pont, j'aurais rien pu faire. Je vous le dis tout de suite, j'aurais rien pu faire. Il a pas de sort, hein. Dis-moi qu'il a pas de sort, s'il te plaît, dis-moi qu'il a pas de sort. Oh, mais ah oh, mais il met des patates en fait. Quoi? Non, mais la mousquetaire, mais gros. Mais la mousquetaire. Non mais mec, la mousquetaire, gros, il y avait deux mousquetaires devant la tour. C'est quoi ce délire? C'est scandaleux. C'est scandaleux, on a perdu d'une manière tellement nulle. Oula! Oula là! Oula là! C'est le score que je voulais modifier, frérot. Attendez, hop! Voilà. 5-4, c'est mieux. on est passé sur autre chose là. Non, tout va bien. La défaite scandaleuse. Bon, écoutez, c'est pas grave, petite défaite. Ça a été compliqué parce qu'il avait, il avait GR et cochon et j'avais que la fournaise pour tenir sur les deux. Après, j'aurais dû utiliser fournaise miroir. Je pense que j'ai fait une erreur là-dessus. Ça aurait été plus intelligent, malheureusement, plutôt que de cloner les mousquetaires un peu à l'arrache. Je pense que j'ai mal joué. Voyons voir un petit peu du coup les decks que vous m'envoyez. Ouais, je pense que c'était gagnable celle-là. Hein. Je pense qu'on peut dire que je suis mauvais. J'aurais dû penser à ça. Et du coup, oui, vous me demandiez du coup ce qu'on va faire sur Twitch après. Et du coup, je vais vous montrer. Alors, on finit ce live quand même tranquillement. On prend notre temps. Et ensuite, on passe sur Twitch du coup pour un live Clash Royale fin de soirée. On fera du coup le défi du miroir qui est juste là. Il y a 8 victoires, à mon avis, ça peut être sympa. Et une fois qu'on l'a fait, on fera quelques games. On montrera un petit peu en trophée, tranquillou. Voilà, histoire de finir un petit peu la soirée tranquillement en parlant. Et à mon avis, ça sera très sympa. Ça sera un peu plus détente. Voilà. On va tryhard un petit peu au début avec le défi du miroir. Et en plus, c'est un défi skillé. Parce que du coup, ça veut dire. Enfin, c'est le défi du miroir. Donc, on va avoir les mêmes decks. Je vais avoir les mêmes decks que mes adversaires. Donc, ça va être intéressant de voir combien je fais. On pourra faire des petites prédictions aussi. Il y a des prédictions sur Twitch. On peut miser de. Enfin, pas de l'argent, mais des points de chaîne. Enfin, bref, c'est très cool. Et du coup, on va faire ça juste après en passant sur Twitch. Et on finira par quelques games. Voilà, globalement, le plan de la soirée. Mais on n'en est pas là encore. On est toujours à prendre vos decks. Envoyez-moi des bons decks, s'il vous plaît. Là, j'ai besoin d'une victoire. J'ai besoin d'une win. Oula!
Oula! Oh là là! Oula! C'est bon. Excusez-moi, mon Discord a du mal, vous êtes beaucoup trop à envoyer des messages. Alors, voyons voir. Mortier, ça peut être sympa, le mortier, ouais. Ça va très vite, hein. Ça défile très vite. On a du, ouais, méga chevalier, on a déjà joué méga chevalier tout à l'heure. Voyons voir. Bon, il y a Equinox qui veut vraiment que je joue son deck. Hein. Je le vois depuis le début du live. Il est en full galère avec son méga chevalier ballon TDE. On va jouer ce deck, mesdames et messieurs. Parce que la persévérance paye. Voilà, faut le savoir dans la vie. Il faut le savoir. C'est parti. Tu passeras quand sur Twitch? Immédiatement après ce live. Genre, je coupe ce live et je relance instantanément sur Twitch après. Il n'y a pas de pause. Alors, méga chevalier ballon TDE, mesdames et messieurs, avec du coup l'artificiaire Equinox qui est modo de la chaîne, hein, que vous voyez dans le chat. Equinox, tu t'es au courant que le chat va te déchirer si je perds avec ton deck. Ça sera de ta faute, on est bien d'accord. Même si je fais n'importe quoi, ça sera de ta faute comme défaite. Sache-le. T'as la pression, surtout que t'as vraiment spammé ton deck, donc tu voulais vraiment que je le joue. J'ai intérêt de gagner avec. Erreur de copie, il y a une boule de feu. Ah, bah tant pis. Allez, on est parti. Boule de feu, pas d'art. Ouais, apparemment, il y a des petits problèmes de copie en ce moment avec le jeu. Du coup, parfois, les decks que je copie sont pas forcément ceux qui étaient affichés. Mais bon, écoutez, c'est pas grave, on fait avec. Ballon. Ouais, petit ballon. Petit ballon. Ouais, le petit ballon. Oh, il met... Oh, bah, génial. Bah, méga chevalier. Petit méga chevalier. Avec des squelettes derrière. C'est gratuit, c'est moi qui offre. On va prendre la tour là-dessus. Les flèches qui vont partir sur les archères et d'ailleurs aussi sur la pompe. On va pas se gêner, bien sûr. Et regardez le dart qui est toujours là, qui a mis tarif sur la tour. Pour l'instant, Equinox, ça sent bon. Pour l'instant, ça sent bon pour toi. Pour l'instant, ça sent mauvais pour moi, par contre. attendez. Il y a un golem. En vrai, ça va, on a une TDE. On n'a pas vraiment grand-chose pour tanker, par contre. Je mets la tour de l'enfer. Les archers ici. Ok. Ok, bon ça va. En vrai, on défend bien. On va garder la tour là-dessus. Ce qui est plutôt une bonne chose. Par contre, du coup, je comprends pas trop le choix de... Vous savez quoi? On va partir ballon direct. Hein. Parce qu'il a des archères. Mais du coup, on va les snipe. Et effectivement. Bah oui, frérot. Bah oui, t'as mis ta roquette, frérot. Tu mets roquette pompe, frérot. Artificiaire pour aller snipe la tour encore une fois. On va mettre la T2 hyper haute. Un dart en plus. Chevalier qui est là. Les archers qui vont gérer normalement. Ça m'a l'air pas trop mal. Ça m'a l'air excellent même. Le joueur français peut-être qui va s'imposer dans cette game. Et s'il veut finir à la roquette, de toute façon, il y avait un ballon qui arrivait sur sa tour. Mesdames et messieurs, c'est une game gagnée. Equinox, tu es sauvé, frérot. Tu es sauvé. Tout va bien pour toi. Et nous sommes sur un 6-4 actuellement. Un score plutôt honorable, vu les decks qu'on joue à chaque fois. Franchement, c'est pas mal. On rush. Pour l'instant, on rush. C'est le deck que t'as créé, Equinox. Bah écoute, en vrai, il est pas mal. Sincèrement, il est pas mal. On s'en est sorti. Finalement, TDE plus ballon, c'est pas mal contre la roquette. Parce que le gars doit choisir forcément si, ce qu'il veut gérer. Après, on avait quand même un cas particulier. On avait quand même un mec qui jouait roquette en face. Donc, c'était un peu particulier. Golem roquette. On avait un bon match-up. Bon, on récupère la récompense.
On récupère ça. 4000 gold pour commencer, ce qui est plutôt pas... On a combien d'or? Ouais, ça va, c'est pas trop mal. Il y a mieux, mais c'est pas trop mal. Ok, 35 gobelins. On va essayer de choper des électro-esprits, s'il vous plaît. Parfait, parfait, parfait. Et écoutez, j'allais relancer une game par réflexe. Non, pas du tout. On va changer de deck, mesdames et messieurs. Je retourne sur le salon Discord. D'ailleurs, je vais fermer, voilà, pour le son. On retourne. Allez, c'est parti. Je sais pas trop quoi jouer, là. Surprenez-moi un petit peu avec vos decks. J'ai envie de jouer quelque chose qu'on n'a pas encore trop joué pour le moment. Barbare d'élite, j'ai vu passer. On n'en a pas joué encore. Un truc qui change, là. Un truc qui change, un truc un peu original. Pourquoi ton cavabilier, c'est pas la même photo que moi? Parce que c'est, j'ai l'ancien jeu, en fait. J'ai jamais... Enfin, j'ai l'ancien jeu. Je crois qu'il faut supprimer le jeu et re-télécharger pour avoir la nouvelle image, parce que ça fait très longtemps. Enfin, ça fait... En fait, ça fait... Depuis cette tablette-là, celle-là, hein, de tablette, je l'ai depuis fin 2016. Et j'ai installé le jeu une fois, je l'ai jamais supprimé depuis. C'est pour ça que j'ai l'ancienne carte qui a été changée, je sais plus, 2018, je crois, ou un truc comme ça. J'ai toujours l'ancien visuel. Alors, je vais m'hydrater un petit peu aussi parce que ça fait soif un petit peu là quand même. Fait 1h20 que je suis à fond. On va se calmer. Ah, des cochons royaux, j'avoue, on n'en a pas joué encore. Ça peut être pas mal, des cochons royaux, en vrai. C'est une bonne idée. Cochons royaux. Alors, il y a un deck qui est pas mal que j'ai vu passer avec la mamie sorcière, mais je crois que c'est celui que j'avais présenté dans une vidéo. On va essayer de pas trop jouer méta quand même aujourd'hui. L'idée, c'est de jouer quand même des decks qui sont un peu originaux. C'est de jouer vos decks, en fait, tout simplement. Bah, comme Equinox, qui m'a envoyé son vrai deck et que j'ai joué et que j'ai essayé. Donc, on va essayer de faire ça. Attendez, là, il y a un deck qui me plaît, là. C'est un golem. Mais c'est un golem roquette avec double sorcière. À mon avis, professeur, c'est son vrai deck. Vous voyez, typiquement. C'est ça que j'essaye de viser. C'est des vrais decks qui ressemblent à quelque chose, mais qui ressemblent à des decks que les gens ont créés pour eux. Pas des decks méta. On va essayer ça. On va essayer ça. T'es en live jusqu'à quand? Je pense encore une petite heure ici sur YouTube, je pense. Petite heure sur YouTube, et ensuite on bascule sur Twitch. Jusqu'à Twitch, probablement. À la base, j'avais prévu 22h. Je vais pas vous mentir. Je pense qu'on va finir à 23. Je vais pas vous mentir. Il y a moyen que ça dépasse un peu. Golem Rocket, mesdames et messieurs. Du coup, on vient d'affronter un Golem Rocket. On va voir si ça marche. Le Golem Rocket qu'on vient d'affronter, il est juste là. J'ai envie de voir. Est-ce que c'est un truc qui peut marcher? On va voir avec le deck du coup de Professeur. C'est parti. On est contre Mige. C'est parti, bonne chance. On va mettre la mamie sorcière dans le fond du terrain tranquillement pour aller défendre. Pas besoin de se presser. Ok. On va à tempo. Est-ce que je peux avoir un cochon qui pop? Non, pas de cochon, je suis déçu. Par contre, est-ce qu'on n'aurait pas une fenêtre? C'est un peu risqué à ce stade-là de la game, mais en vrai... On joue Golem Rocket, donc au bout d'un moment, faut y aller. Hein. Au bout d'un moment, faut oser. Mais là, c'est pas mal, parce que du coup, ça tempo un peu ma sorcière de la... Ouais, ma sorcière de la nuit. Je pense pas que la roquette, ça soit une bonne idée. Je pense que c'est un petit peu agressif. Ouais, c'était un peu agressif. On va tempo, on est un petit peu... Il a activé la tour du roi, dommage. On est un petit peu agressé, c'est pas trop mal. Jamais séparer les barbares fond de terrain? Si, en vrai, Manek. Regarde. En vrai, c'est pas mal. En première partie de jeu, en fait, ça te permet de... T'as de la défense des deux côtés, en fait. Donc là, il peut pas... Là, s'il jouait un deck genre cochon, ou alors un mineur avec des sapeurs, ou un truc du genre, bah, il peut pas agresser, en fait. T'as des barbares des deux côtés. Après, évidemment, si tu le fais au moment où il pose son cochon, là, t'es dans le mal. Faut pas le faire n'importe comment, bien sûr. Bon, je pense que je tempo. Et là, on va partir. Là, on part golem fond de terrain. On arrive en double élixir. Je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. Et je pense qu'on peut... On n'aura même pas besoin de roquette, en fait. Oula. Vous inquiétez pas, on maîtrise. Ne vous inquiétez pas, on maîtrise.
Regardez, du coup, il a gâché sa tour à bombe. J'ai l'impression que c'est très très bien pour moi. Il a mis une tour à bombe maintenant, mais du coup, je vais remettre un golem. Alors peut-être. Alors, il a attiré mon golem. Attendez, j'en vois pas ça tout de suite parce qu'il va y avoir la tour à bombe qui va exploser. Je veux pas que les dragons squelettes soient dedans. En vrai, c'est... Ah, j'ai raté la tour. Oh non, me dis pas que j'ai raté la tour. J'ai pas raté la tour, j'ai pas raté la tour, j'ai pas raté la tour. On va mettre ça dans le fond du terrain, ça me paraît plutôt pas mal. Et on va mettre ça juste ici. Mamie sorcière, pour aller défendre le cimetière. C'est très bien, 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 c'est très bien. Regardez cette défense incroyable, mesdames et messieurs. Et peut-être, pour la contre-attaque, le golem présent sur le terrain. La roquette niveau max, elle fait combien? 538. Oh, et regardez les cochons de la mamie sorcière qui du coup vont s'occuper un petit peu, tant bien que mal, de la tour à bombe. Est-ce que je peux avoir les deux là? Ah oui, je peux avoir les deux. Je peux avoir les deux. Je pense que c'est intéressant. Et on va cycler du coup sur une autre roquette. Quoique, alors, peut-être on met la pression. Peut-être la pression. Les barbares en défense ici. Il n'y aura pas besoin, monsieur. C'est gagné là-dessus. Super combat. Bien joué. Plus 32. Et bah écoutez, je vais vous étonner, mais j'ai bien aimé la synergie du deck. J'ai bien aimé la synergie du deck. Finalement, golem, mamie sorcière, je pense qu'il y a un truc à faire. Bon, la roquette, c'est peut-être un peu abusé. Mais franchement, golem, voire même golem double sorcière. Franchement, il y a un truc. Franchement, il y a un truc, j'ai bien aimé. Bon, sympa. En tout cas, je valide ce deck. Il était très sympa. Je vais update le score. On est à 7-6 là. Et c'est pas mal. En vrai, c'est pas trop mal. 7-6, j'ai dit 7-4. C'est pas mal. C'est pas mal. Je suis content. Je supprime ça, évidemment, et on repart. On va chercher des decks. Alors, je te rappelle, si vous arrivez sur le live, hein, évidemment, vous pouvez m'envoyer vos decks en direct, là, maintenant, tout de suite. Vous allez dans le salon Discord qui est dédié. Donc, vous rejoignez mon Discord avec le lien qui est dans la description du live. Vous rejoignez, du coup, le Discord et vous envoyez votre deck dans le salon prévu à cet effet, à savoir le salon Donnez vos decks, bien sûr. On a dépassé les 12 000 membres, d'ailleurs, c'est écrit juste au-dessus. 12 000 membres sur le serveur. Merci à vous. Merci beaucoup, ça fait grave plaisir. Merci beaucoup. Vous avez été nombreux à rejoindre le serveur du coup aujourd'hui pour envoyer vos decks. Donc merci beaucoup, ça fait grave plaisir. Merci à vous de votre soutien. C'est vraiment cool. Et alors, voyons voir un petit peu ce qu'on a de ce côté-là. Envoyez-moi des trucs qu'on n'a pas trop joué. Envoyez-moi des trucs originaux. Là, notamment, vous voyez le géant royal Zappy, on l'a joué déjà au début du live. Donc on va éviter de jouer ça. Envoyez-moi des trucs qui changent. Un truc, un risque. Un truc qu'on n'a pas encore joué. Un truc nouveau. Un truc où tout le chat s'ébahit. C'est ça qu'on veut aujourd'hui. On a du barbare d'élite. Barbare d'élite, ça me dit bien. J'ai bien envie de jouer un deck barbare d'élite, avant la fin du live. On a des cochons ici, ouais. Ah tiens, barbare d'élite. Mais c'est un barbare d'élite cochon. Ah non, je suis pas fan. Non, 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 non. On a du double prince, ouais, c'est pas mal. Un ballon rapide. Le ballon rapide, c'est cool aussi. J'aimerais bien jouer ballon rapide. Oula, oh la vache, oh ce deck, il est pas beau. Oula, je viens de voir un deck passer. Oula là, oula là, oula là, non, non, non. On fait pas des trucs comme ça. On a un... Ouais, je vois des bons trucs passer. Je vois des bons trucs passer, honnêtement, ça me tente bien. On a un mortier ici. Mortier, ça peut être cool, on n'a pas joué de mortier encore. On n'a pas joué de mortier encore. Je vais prendre le mortier, mesdames et messieurs. Mais j'ai vu des trucs bien passer, là. Électro-géant, j'aimerais bien jouer électro-géant. J'aimerais bien jouer barbare d'élite. Préparez des decks comme ça, là, si vous voulez. Ou si vous avez un deck comme ça que vous jouez, genre vraiment en ladder, c'est un de vos decks, à vous. Bah, franchement, n'hésitez pas à l'envoyer. Ça me tente vraiment, j'ai bien envie d'en tester un. Alors, mortier. Bon, ça, c'est un mortier plutôt classique. Pas vous mentir, on est sur une construction de mortier qui est assez classique, avec notamment la synergie avec l'archer magique. Voilà, classique mais efficace. Allons-y. Je suis pas hyper, un hyper gros joueur de mortier, donc écoutez, on va voir un peu comment on s'en sort. Et c'est parti. On est contre Mathias. On va partir avec une Valkyrie dans le fond du terrain. On tempo pour le moment. Je joue sur quoi? Ouais, je joue sur un iPad qui est juste là. Alors il est branché et tout, hein, c'est une galère, mais c'est ça. Hein. Là c'est le vrai jeu. Hein. Vous voyez, là la partie elle est en cours. Elle est là. Je joue sur iPad.
Ok, électro-sorcier. Ok, il y a une roquette qui est là. On va partir dans le fond du terrain, Valkyrie. Attendez, si vous voulez... Attendez, parce que... Du coup, maintenant que je suis sur Twitch, en vrai, j'ai des scènes sympas qui sont assez polyvalentes pour vous montrer des trucs à droite à gauche en toute situation. Et du coup, en fait, je peux carrément vous montrer comment je joue, regardez. Regardez. Et là, vous avez vraiment ce qui est en train de se passer. Là, vous avez le chat. Là, j'ai le chat. Regardez, c'est vrai truc. J'ai le chat et j'ai... Attendez, la partie. Mais là, vous voyez, là, c'est vraiment comme ça que je joue. Là, c'est vraiment comme ça que je fais un live. Vous avez le chat aussi, mais bon, ça, c'est Twitch. Bref, voilà. Voilà, je vous monte en 2-2 parce que je suis quand même en train de jouer. Je suis quand même en pleine game là actuellement. Mais voilà, j'ai préparé des petits trucs. Et d'ailleurs, c'est comme ça. Je vous ai dit. Ah, mais je voulais pas dire. Est-ce que je vous l'ai dit? Oh, il y a un truc que j'ai oublié de vous dire. Attendez, il faut que je vous le dise après. Oh, cet électro parfaitement joué. Je vais essayer de snipe la tour. Est-ce que ça touche la tour? Ah, dommage. À l'image près. Je pars dans le fond du terrain. Je vais mortier ici. Attendez, mais non, mais je vous montre après. Attendez. On tient pour l'instant, c'est pas trop mal. Est-ce qu'il va avoir une défense pour... Ok, ouais, j'ai hésité après shot. Séisme, en vrai, séisme. Zéro van, c'est viable. Comme défense, c'est mieux que rien. Oh non, j'ai loupé le mortier, mais je suis nul à ce jeu. Oh, il a quand même paniqué. Il a envoyé une roquette. Oh non, 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 la voleuse. Non. Là par contre on peut mortier. Là par contre il y a moyen. S'il te plaît, mets une TDE. Il a pas de TDE, il a pas encore la roquette, il doit avoir la roquette. Je pense qu'il a la roquette, il va avoir la roquette, il a pas la roquette. L'archer magique pour aller snipe la tour. L'archer magique qui nous snipe. On a un petit coup. Petit coup. J'ai envie de bourrer un peu. J'ai envie d'y aller, regardez. Séisme. Oh, le séisme. Attendez, alors peut-être. Ça va sur la tour, mesdames et messieurs. C'est sur la tour, mesdames et messieurs. Ça connecte à la tour. Et on va avoir le mortier qui va finir. Avec un dernier coup. Et le mortier qui termine. Bien joué. Good game. Well played. Belle game. 8-4. Alors attendez, du coup j'ai un truc à vous dire qui est incroyable. Je sais pas si je l'ai dit dans ce live, parce que j'étais en live juste avant. Avant ce live, j'étais en live sur Twitch. Et après ce live, je suis en live sur Twitch. Grosse journée aujourd'hui, très très grosse journée. Alors oui, il va y avoir un truc incroyable demain les gars sur Twitch. Ah si, je l'ai dit dans ce live, mais c'était au tout début. Donc vous voyez là, je viens de vous montrer du coup un peu comment je joue. Donc voici mon setup. Là, vous voyez vraiment, là, c'est mon vrai setup. Hein, pour le coup, vous le voyez, il y a mes mains ici. Et en gros, ça, cette caméra-là, c'est ce que je vais utiliser demain pour faire un live spécial. Ça sera sur Twitch, de 18h à 22h, demain, lundi. Et on va faire un pack opening, enfin, une ouverture de colis Supercell. Donc, des trucs que j'ai reçus de Supercell, enfin, autour de l'univers Supercell. Donc, par exemple, j'aurai ça à ouvrir demain. Zéro van. Ça, on l'ouvre demain. Ça, c'est un truc qui vient du Japon. C'est un Endoroid Spike. Et après, j'aurai aussi des colis que Supercell m'a envoyé. Comme cette boîte-là. Vous savez, cette boîte-là. Ça-là. Ça, vous savez, ça, je le fais gagner de temps en temps sur mes réseaux sociaux. Ça m'arrive de le faire gagner. Bon, bah ça, on va l'ouvrir ensemble aussi demain. Et j'ai un autre colis de Supercell qui est quasiment impossible à gagner. Qui est 4 fois plus gros que cette boîte-là. Alors, c'est gros, hein, ok. C'est gros. 4 fois plus gros que cette boîte-là. J'ai un énorme colis de trucs exclusifs, Supercell, hyper rare. Même pour nous, les créateurs qui sommes en contact avec Supercell, c'est dur de l'obtenir. Il y a très peu de gens qui l'ont. On va ouvrir ça demain à 18h.
On va prendre, à mon avis, 2-3 heures le temps de tout ouvrir. On va prendre notre temps, on va kiffer. C'est demain, c'est sur Twitch. Ma chaîne Twitch en description du live. Franchement, ça va être cool. Voilà, je tenais à vous le dire. Et voilà. Et en plus, regardez, vous avez le compteur de follow sur Twitch qui est juste là, en direct. Voilà, ça c'est vraiment mon compteur de, ça c'est vraiment mon nombre de followers sur Twitch. Franchement, je vous invite vraiment à cliquer sur le lien qui est en description et à suivre la chaîne Twitch pour être notifié demain. Parce que franchement, ça va être cool. J'ai très très hâte de faire ce live. Voilà, je vous le dis, j'ai très très hâte, ça va être vraiment cool. J'ai pas Twitch, mais même si vous avez pas de compte, vous pouvez regarder. Hein. Alors, vous pouvez pas follow du coup, mais vous pouvez venir demain, même sans compte, vous pourrez regarder. Et franchement, j'ai très hâte de se faire ce live parce que je pense que ça va être vraiment cool. On va ouvrir plein de trucs exclusifs. Enfin, regardez ça, c'est incroyable. Enfin bref. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça, c'est une scène... Ouais, je suis désolé aussi, le chat et tout ça, c'est pas le vrai. Ça, c'est Twitch, en fait. C'est une scène pour Twitch. C'est pas du tout une scène pour YouTube. Mais voilà, je vous le montre un peu en exclusivité. N'hésitez pas à aller regarder ça. Voilà, on revient, mesdames et messieurs, sur le jeu. Désolé, c'était une petite aparté. Mais j'ai très, très hâte de faire ce live demain parce que je pense qu'il va être incroyable. Voilà, voilà. Bon, alors. On clique sur oui. Et on va chercher un autre deck. On va chercher un autre deck. Ouais, je suis désolé, je parle un peu pas mal de Twitch là en ce moment sur ce live parce que je kiffe en fait. Parce que je vais pas vous mentir, je kiffe. Et il y a plein de trucs de prévu. Et notamment cette ouverture de colis demain. Et j'ai trop trop hâte en fait. Et franchement, on passe vraiment des très très bons moments. C'est vraiment sincère quand je vous dis ça. Je passe des super moments. Donc voilà, c'est pour ça que je vous invite à suivre parce que c'est exceptionnel en fait. Tout simplement, c'est tout simplement exceptionnel. Ah. Alors. Voyons voir un petit peu les decks que vous m'envoyez en direct. Évidemment, je le rappelle, hein, si vous arrivez sur le live, vous pouvez m'envoyer vos decks sur le serveur Discord qui est dans la description. Martin, j'avais pas vu ton don. Et Ludovic non plus. Oh là là, désolé les gars, je fais un petit point don. Martin, hein, merci à toi. Merci pour ton clin d'œil. Merci pour ton coucou, Martin, comme d'habitude sur les lives. Merci beaucoup. Et Ludovic, j'ai mis un deck géant Elex Zappy. Trigger, si tu arrives à chercher. Alors, je peux pas chercher, hein, pas du tout, vu que c'est que le bot qui envoie les trucs. Je peux même pas, même si je voulais chercher ici. Il y a un petit onglet pour chercher, mais je peux même pas en fait, c'est une galère. Mais tu m'as dit quoi? Tu m'as dit Elec, géant Elec, Zappy. Ok, bah écoute, si je vois ça passer, pourquoi pas. Mais c'est un peu compliqué, hein. je t'avoue, regarde, c'est un peu un bordel là de mon côté. On a un deck Barbare d'élite Zappy, ouais. Un petit cochon, ouais. Voyons voir, j'attends un petit peu. Je donne un peu l'opportunité à tout le monde d'envoyer son deck. On va voir un petit peu ce qu'on choisit. On a déjà joué 2-3 decks cochons, donc on va éviter du cochon. Merci d'avoir joué mon deck, il n'y a pas de problème, t'es pas. Il n'y a pas de souci, mec. Ah, j'ai vu du Barbare d'élite. Ah, c'est du Barbare d'élite. Ah, Barbare d'élite, Bridge Spam, j'aime bien. Il est où? Je l'ai perdu, il est là. Dave Canada. Voici le deck, mesdames et messieurs. Barbare d'élite, Bridge Spam avec le bélier, j'aime beaucoup. On va l'essayer. C'est ce que je cherchais, je voulais un deck barbare d'élite, le voici. Vous êtes beaucoup à vouloir le barbare d'élite en plus dans le chat. Écoutez, ça c'est pour vous. C'est pour vous les gars, c'est pour vous, ça me fait plaisir. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas en vrai à tester un peu les decks. Hein. S'il y en a un que je prends qui vous plaît, n'hésitez pas à passer dessus et à regarder un peu. Alors, écoutez, on est parti, hein. On est parti avec ça, je pense que ça peut être pas mal. Et on est quasiment à 5800 trophées et on est en train de rush. Zéro van. On est en train de rush, regardez. C'est incroyable. On a quasiment pris 100 trophées dans ce live-là, avec vos decks. Eh, si c'est pas génial. On est contre Edson, mesdames et messieurs. Bonne chance. C'est du 9-4, change le compteur. C'est du 9-4? J'ai oublié d'ajouter une victoire? Ah oui, parce que j'ai sauté direct. Ok, 9-4. Pardon, excusez-moi. J'ai trop de trucs dans ma tête en même temps. C'est un bordel. 9-4, mais c'est grave bien en fait, 9-4. Non, non, ça va. Non, mais non, la voleuse. Vas-y, mais t'es relou. Ok, est-ce qu'on peut essayer un petit truc comme ça à droite? Bon, j'ai pris des dommages un peu inutiles à gauche. Hein, c'est vraiment dommage. Pour une fois qu'on te donne des bons decks. Bah c'est vrai, et bah zéro van, c'est vrai que j'ai eu des bons decks. J'ai joué un deck un peu troll au tout début, et on a gagné avec ceci dit. Et c'est vrai que depuis j'essaye de prendre des decks un petit peu... J'essaye de prendre des vrais decks à vous,
et les tester. Et franchement, ça marche bien. Franchement, c'est vrai que vous m'envoyez des bons decks. Bon, là, ça commence à être un petit peu plus délicat là, dans cette game. Mais tranquille. En même temps, on est contre un PK, donc c'est pas évident avec notre deck. Mais on va s'en sortir, vous inquiétez pas. Tu vises toujours le top 1000. Top 1000 FR. Top 1000 FR. Je pense pas qu'on l'atteindra ce soir. Mais à mon avis, semaine prochaine, on va faire des live rush. Probablement un live sur Twitch. Sur YouTube. Live rush sur YouTube. C'est à peu près sûr qu'il y en aura un. Et il y en aura peut-être aussi un ou deux sur Twitch. Tu pourras faire la rediffusion de l'unboxing sur YouTube. Alors, il n'y aura pas la rediff. Ça, c'est sûr. Parce que ça sera sur Twitch. Et la rediff aussi sera sur Twitch. Par contre, si vous voulez, pour l'unboxing, éventuellement, je peux essayer de faire un best-of. Si c'est un truc qui vous dit, si vraiment vous me dites tous en mode on veut un best-of, en vrai, pourquoi pas. Mais ça veut dire qu'il faut que je demande à un monteur et tout, hein. C'est du boulot. Je sais pas s'il a le PK là, j'ai pas suivi la game. Il avait pas le PK. Dommage, il a bien joué. Ah dommage, PK qui va terminer la tour à droite. Dommage, il avait un petit point de vie. Je comptais essayer de séparer les dommages sur les deux tours et refaire un dernier push à gauche. Ça aurait peut-être pu passer. Dommage, elle était compliquée cette game face au deck qu'on avait en face. Pour être très sincère, j'aurais peut-être pu mieux la jouer, j'avoue. Mais bon, dommage, c'était un peu compliqué. Mais je pense que le deck est pas mauvais. Bon, il nous fallait une petite défaite là. On commençait à prendre un petit peu trop la confiance. On est en 9-5. On peut encore faire une victoire et être en 10-5. Et du 2 tiers 1 tiers, c'est vraiment pas mal. Alors vous me dites, ouh la vache, le chat qui n'est que composé de best-of. Vous voulez voir l'unboxing? Très bien. Ok, ah bah écoutez les gars. Ok, je vous invite quand même à aller voir le live demain sur Twitch. Entre 18h et 22h, en vrai, c'est con, mais si demain vous y pensez. Demain vous êtes là, il est 18h, 22h, il est genre 20h. Vous êtes en mode, je sais pas quoi faire de ma life. Ça nous arrive en ce moment, hein, vu les... Voilà, c'est le bordel, le confinement, le machin. Si ça vous arrive, en vrai, venez sur Twitch. Passez sur Twitch, venez voir comment ça se passe. Et je vous ferai un best-of sur YouTube. Un petit truc condensé, avec les meilleurs moments, les meilleurs trucs. Mais je vous invite quand même à passer, ça sera sympa demain. Et en plus, on va avoir le temps de parler et tout, ça va être vraiment cool. Mais j'essaierai de vous faire un best-of. Ok. Je vois que ça vous intéresse. Demain, on a école. Non, mais t'as pas école à 21h. T'es pas en train de bosser tes cours à 21h, non? C'est le soir, tu vois, on va pas prendre la journée pour le faire. Mais voilà, ok, j'essaierai de vous faire un best-of, promis. Alors du coup, on va changer de deck, mesdames et messieurs, on va repartir, évidemment. Hop, on va descendre ici, et on est reparti, ça respam. Allons-y, c'est vrai qu'on n'a pas joué Arkix, tiens, je vois un Arkix passer, on n'a pas joué Arkix encore. Bon, on va voir un petit peu ce que vous m'envoyez du coup, j'ai vu du ballon, le ballon ça me plaît. Là, le ballon, là, qui est-ce qui a envoyé le deck? Attendez, il est où le deck? Il est là. Lazre, il veut que je joue son deck. Parce qu'il a pris son deck normal, avec le ballon. C'est un ballon rapide, avec un ballon bouliste avec le gel. Et il s'est dit, tiens, hashtag, il prendra mon deck si je mets le bomber dedans. Et il a bien raison. On n'a pas joué de ballon rapide encore. Il a bien raison, il y a un bomber, je prends. Bien sûr. Je suis un homme simple, voilà, faut le savoir. Il y a un bomber, je prends le deck. C'est aussi simple que ça. On est parti.
Attendez, je m'hydrate parce que je n'en peux plus. Alors, voyons voir un petit peu, est-ce qu'on peut rattraper le coup? Est-ce qu'on peut passer les 5008 avec ce deck? Je pense que ça peut le faire. Je pense que ça peut le faire. On va tester. C'est parti. Un plaisir de te voir faire ce concept en live. Merci à toi, Diego. J'aime bien ce concept, en vrai. J'aime bien ce concept. Mais j'ai pas mal de concepts de live qui sont vraiment cool. Et c'est pour ça que je veux pas en abuser parce que... Lorsque je fais ce genre de live, là vous le voyez, là depuis, ça fait 1h45 qu'on est en live, je suis mais vraiment à fond quoi, j'adore. Je kiffe cette soirée. Alors, Boulist. Je suis en prépa, j'ai 7 minutes de libre. Ah oui, non, alors Guillaume, je connais. Guillaume, je partage ta souffrance. Ta souffrance. Sache-le. Mais du coup, Guillaume, bah, il y aura le best-of pour toi du coup. Et vu que t'as 7 minutes de libre par jour, normalement, en 2-3 jours, tu l'auras fini. Ça devrait aller. On va mettre un bûcheron ici pour aller tanker. C'est bien fait, la tour va s'en occuper. Je vais tempo un petit peu. Est-ce que ça suffit? On va mettre un bouliste au cas où. Quoique c'était un peu cher, je suis pas sûr du move là. Je connais aussi MDR, j'étais en prépa et je suis en école d'ingé maintenant. Ah bah écoute, félicitations à toi Alex. Moi je ne suis pas passé par la case ingé, j'ai rage kit avant. Ok, il joue ballon. Et en vrai, go. Hein. En vrai, je pense que c'est le moment. Oh, le bomber. Ah, je vais laisser comme ça, je pense. Hein. Je vais pas de plus défendre. Ok, maintenant, par contre, faut assurer. Oh, dommage. Non. Bah non, je vais perdre la tour là-dessus. Non. J'ai plus rien. Ok, je vais laisser. J'ai pas de sort dans ce deck. J'ai le gel. Ça suffit pas le gel. Non, ça va pas suffire. Oh, il a mis la cage. Oh, l'erreur du joueur. Adverse. Ah, ça c'est vraiment une erreur parce que du coup ça me donne vraiment la tour facile. Non, pas dingue. C'est tendu, hein. C'est tendu, mais je l'abandonne pas. Je pense qu'il y a moyen de le gagner. Je pense vraiment qu'il y a moyen de la gagner. Parce que là, regardez, si on fait ça et ça. Non, je pense qu'il n'y a pas moyen de la gagner en fait. Je pense que ça va être compliqué. Ah, et là, c'est fini avec malheureusement. Attends, on est peut-être pas complètement fini non plus. Ah, si c'est terminé, il doit avoir un sort, je pense. Il doit avoir un sort. Ah, c'est terminé. Good game. Well played. Ah, dommage. Ah, ça fait deux défaites d'affilée, c'est dommage. Je pense que j'aurais pu mieux jouer, les gars. J'ai pas été assez agressif avec le ballon.
J'avais un deck ballon rapide, je devais mettre le bûcheron ballon. Je l'ai pas assez mis. J'ai pas assez mis de pression, j'ai joué trop passif. Dommage. Je pense que j'ai le droit de m'en vouloir. 9-6. Bon, c'est pas grave. C'est pas très grave. Dommage. Live devrait s'appeler Dérush avec les decks des abos. Écoute Clément, pas encore. En vrai, pas encore. On est toujours en positif. Y a pas de problème. Tranquille, ça arrive de faire une ou deux défaites d'affilée, c'est normal, y a pas de souci, on a quand même fait pas mal. Oh, non mais attends, regardez, on fait quand même beaucoup de victoires. Regardez, c'est pas mal. Non, en vrai, c'est pas mal. Pour l'instant, ça se passe encore bien, on a une petite défaite. C'est pas très grave. Regardez, là je vais prendre un deck, je prends un de vos decks. Et vous allez voir, ça va remonter direct. Ça va remonter direct avec ce deck là. Alors PK Méga Chevalier, non pas celui-là. Ce deck là. C'était lequel? Il était où? Et j'ai vu Electro Géant. Là, ce deck là. Oh non, c'est un full Electro. Non, pas le full Electro. Non. Vous voulez pas que je... Non. Vous voulez pas le full Electro, on est d'accord. Je joue pas ça. On est d'accord que... Non. Non, on va jouer autre chose. On va... Je sais que vous allez dire oui. Je sais que vous allez dire oui, en fait. Je sais qu'à partir du moment où je l'ai montré, j'étais foutu. Je sais que c'est mort, en fait. Il va falloir qu'on gagne avec ça, parce que là si on perd, là le problème si on perd, c'est qu'on va être en 9-6, en 9-7. On va commencer à vraiment des rushs là si on perd. Bon écoutez, au bout d'un moment, il faut assumer ses responsabilités. Il faut l'assurer, il faut admettre, hein, il faut dire que bah voilà, on n'a pas... Bon, effectivement. Bon, écoutez, c'est parti. Electro, vous allez voir, on va gagner avec. On va gagner avec, vous inquiétez pas, full électro. Je sais que c'est un concept et il y a une carte qui s'est mal copiée. En plus, ça copie pas dans l'ordre, mec, donc c'est pas évident. Attendez, qu'est-ce qui manque? Attendez, le Zappy, il y a. L'électro. Ah, c'est l'électro sorcier qui manque. C'est l'électro sorcier qui manque. Il est où? Il est là. Un peu relou, ça, ce truc du copy deck qui bug, surtout que c'est pas nouveau. Hein. Ça fait un bon mois que ça bug, c'est toujours pas corrigé. C'est un petit peu relou. Full électro, mesdames et messieurs. Je sais que vous êtes pas mal à vouloir que je fasse une vidéo. Que je refasse, parce que je l'ai déjà fait, une vidéo en full électro. Bon, est-ce que vous voulez vraiment que je refasse ce concept? En vrai, pourquoi pas, pour une petite vidéo. En plus, sachant que j'ai fait la vidéo avec les lunettes là, de l'électro géant. Vous avez été pas mal à me le dire, du coup. Écoutez, on va voir. Est-ce que c'est un bon concept ou pas? On va voir ça maintenant. On est en full électro, mesdames et messieurs. On est contre Riddick. J'ai déjà dit bonne chance, je crois que je me répète. C'est pas grave. Dans 5 minutes, tu regrettes. Non, tranquille. Non, t'inquiète. C'est bien ça ou pas comme défense? Ouais, ça passe, hein. En vrai. Ah, par contre, ça, c'est relou. Ça, c'est relou. Oh, Axel. Une vidéo spéciale électro, si tu perds une game, tu prends un coup de taser. Alors, je suis sûr que tu disais ça pour la vanne, hein. Mais en vrai, c'est pas un putain de concept. Attends, Axel, je suis presque tenté, hein. Non mais attends, sans déco... Après, j'ai jamais pris un coup de taser, à mon avis, je changerais très vite d'avis. Mais en vrai, c'est pas un méga concept. Ça me tente, les gars, c'est terrible. Alors, c'est pas la meilleure idée, hein, ce que je viens de faire, bien sûr. Si, mais faut assumer. Ouais, faudrait l'assumer. Hein. Bon, après, à organiser, c'est une galère, mais... Non, je pense que le concept sympa. Faut juste voir la tête du taser. Ah non, mais à mon avis, non, mais c'est terrible. Par contre, en vrai, non, mais sans rire, c'est un vrai concept. Hein. Ça me ferait vraiment rire. Mais c'est hardcore, par contre. Hein. Putain, la vache, tu te lèves le matin, tu dis, bon, allez, je vais me faire taser. Et potentiellement 2-3 fois pendant la vidéo, pas qu'une. Oh là là. Non mais j'avoue, bonne idée. En vrai, ça me tente, c'est terrible. Faut que j'arrête avec mes conneries, moi, c'est vrai. Moi, je me fais vraiment souffrir sur mes vidéos YouTube. Et ça me fait rire, c'est ça le pire. Mais je suis maso, en fait. Bon, on est en train de prendre très cher, là, dans ça de... Le full électro, il est pas en train de marcher. Mais attendez, parce que peut-être la foudre... Qui va tomber ici, la foudre. Oh, c'est pas mal.
Oh, c'est pas mal. Ah, il a la tornade aussi, c'est relou. Ok, on arrive à défendre. Vas-y, zappi dans le fond du terrain. Là, c'est le push de la dernière chance. Le truc des un vrai taser, c'est ultra fort. Faut un petit truc qui envoie des décharges. Faudrait un truc qui envoie une bonne décharge. Genre, tu te prends un truc sympa. Un taser, tu tombes en fait. C'est ça le problème. Genre, c'est vraiment, vraiment hard. Ok, il s'est loupé là, à gauche. Du coup, je vais cycler. Ah, mais je pensais cycler sur l'électro-géant. Mais il est tellement loin en fait. Oh non, 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 non. Le zap. Oh non, je suis dégoûté, le cochon, je pensais pas qu'il survivrait. Aïe, aïe, aïe. Bon les gars, faut que j'arrête de prendre vos deck trolls. Hein. Non, 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 là on va des rush. Là on va des... Non, non, zéro van. Là on va des rush. Non, 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 là il me faut des bons decks. Là ils me font des bons decks, les gars. Arrêtez avec les... Fourchette plus de prise. Ah ouais, non, alors on va éviter les bêtises. Non, 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 là les gars ils me font des bons decks, ça va pas du tout. Non, en vrai, écoutez, sincèrement, je retiens deux choses. Je retiens la vidéo full électro, pourquoi pas. Et la vidéo, si je peux trouver un truc qui envoie une décharge un peu vénère, mais pas trop hardcore. En vrai, pourquoi pas. En vrai, pourquoi... Non, mais je note. Ça peut être drôle. Ça peut être drôle. Mais pas trop hardcore. Genre, faut que je me remette quand même rapidement, tu vois. Go se faire taser. Ouais. J'aime pas trop comment ce live est en train de partir. Hein. Par contre, je vous le dis. Bon, alors, les gars. On va se concentrer. Là, il faut que je rush, s'il vous plaît. Là, ils me font des bons decks. Il faut que je remonte un petit peu le score. On était en 9-4. Hein. On a fait 3 défaites d'affilée. Là, c'est le moment où, si tu commences à t'embarquer... dans des délires. Enfin, là, on peut dérush très vite. Donc, on va se poser. On va prendre un bon deck. Et j'en profite pour vous remercier aussi pour les 3000 pouces bleus. Ça fait extrêmement plaisir. Merci à vous d'être là ce soir. Ça fait vraiment chaud au cœur. Je passe une très bonne soirée en tout cas. J'espère que vous aussi. Et on va essayer de se donner pour remonter un petit peu le score. Alors, attendez. On a quoi ? Il me faut des bons decks là, s'il vous plaît. On a déjà joué du géant squelette avec du. Avec, ça va une vitesse, c'est impressionnant. Oula, de sapeur. Ah ouais, non. Oh, ce deck-là, je l'aurais bien pris, mais honnêtement, Dova Willy, en plus, tu t'es sponsor tout à l'heure. Mais honnêtement, non, il faut vraiment que je monte. Il faut vraiment, là, il me faut un bon deck. Là, il me faut un deck qui arrête le dérush et qui relance le rush. Oh non. Non. N'y pensez même pas. Du golem, on a déjà joué pas mal de golem. Attendez, je vais remonter un peu éventuellement parce que là, le bot galère. Là, il n'y a plus de deck. Il n'arrive plus. Oh, regardez ça, le bot n'arrive plus à suivre. Il en est où le bot? Attendez, c'est quoi les derniers decks qu'il a réussi à gérer? Oh, non mais attendez, vous êtes en train de casser le bot en fait. Ça fait combien de minutes là que le bot il est foutu? Il est quelle heure? Ça fait une bonne minute. Le bot a une bonne minute de retard. C'est un bordel. On en est où là? Il y a quoi qui a été envoyé récemment? Ça c'est quoi? Ouais. Attendez, il y a quoi d'autre? Je remonte un peu. Il y a du... Oh, ça c'est pas... Ah ouais, non. Non. Point 3, petit point, pardon. J'ai un peu massacré le pseudo. On a déjà pris ton deck tout à l'heure, je me souviens. Attendez, Molos. J'ai vu du Molos. Ça c'est bien, on en a pas joué encore. Et c'est un bon deck. C'est un bon deck, Molos. Laissez-moi remonter. Laissez-moi une game pour remonter, s'il vous plaît, par pitié. Molos ballon, une game, on l'a fait, c'est clair, c'est net, c'est précis, c'est sans bavure. Ça va le faire. On va remonter. On a besoin de cette petite game pour remonter. Vas-y, c'est parti. Molos ballon, on est à combien? On est à 719. On remonte à 800. Ok, bonne chance. On va séparer les gargouilles dans le fond du terrain pour commencer la game. Et on est contre un Français d'ailleurs, Lolo, du clan Bistro du Vieux.
Il y a zéro troupe au sol. Ouais, ouais, bah un petit full aérien, quoi. mais tranquille, tranquille. Boule de feu, je suis pas convaincu, mais... Est-ce que j'ai vraiment le choix? Je pense pas. T'as pas de troupe terrestre? Oui, bah les gars, c'est pas moi qui l'ai fait, le deck. Me critiquez pas. C'est le principe du live. Moi, je prends ce que vous me donnez. Si vous me donnez pas de troupe au sol, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Faut mettre un cooldown de 6 heures. Ouais, j'avoue, le bot, il est en souffrance. Et je suis désolé, je vois que vous êtes quelques-uns à m'envoyer des decks dans le chat YouTube, mais c'est justement pour ça que je fais ce concept via Discord. C'est parce que si je commence à prendre des decks, je vais y arriver, dans les commentaires YouTube, non seulement les commentaires YouTube vont défiler à une vitesse folle, je vais pas pouvoir m'arrêter sur un deck, mais en plus, t'imagines, s'il faut que je copie carte par carte, les 8 cartes, c'est une galère. C'est pour ça que je fais ce concept via Discord. C'est parce que sinon, c'est juste pas faisable, en fait. J'ai pas le choix, en fait. Donc voilà, je suis désolé si je peux pas prendre vos decks sur YouTube, c'est vraiment que sur Discord, que via le channel. N'hésitez pas à rejoindre. Et en vrai, Discord, c'est cool, hein, parce que il y a des trucs sympas sur Discord à voir. D'ailleurs, il y a un petit channel... Oh, je vous le montre après. Il y a un petit... Mais il est relou, là, à m'agresser, mec. Tu me laisses souffler un petit peu, là, ou ça se passe comment? On va prendre très cher, mais regardez. Mais regardez peut-être le ballon. Le ballon qui force. La boule de feu qui est pas mal. La boule de feu qui est même très très bien. Le ballon qui va passer, le ballon. Le ballon qui passe, mesdames et messieurs. Un coup, il y a toujours le dragon d'enfer qui est là. Ça va passer, on va mettre la pression du côté gauche directement. Il est en train de galérer. Du côté droit, on envoie la dose du côté gauche. Il va probablement essayer de finir la tour du côté droit, je pense. Et vous savez quoi? Machine volante. Ballon. Je pouvais pas vraiment défendre à droite. Oh non, vas-y! C'est une putain de blague! Il avait une roquette depuis le départ! Oh non, il avait une roquette depuis le départ! Il avait une roquette depuis le départ! Comment j'étais censé le savoir? Oh non! Si j'avais une musique de défaite, là, je la mettrais. Le joueur français actuellement en situation compliquée après une série de victoires, une série de défaites sans pitié qui abat son moral. Alors attendez, on va retourner sur Discord. Là, je peux plus troll. Ah, est-ce que troll, ça serait pas... Non, ça c'est une très mauvaise idée. Est-ce que ça serait pas la solution, prendre un deck troll pour se dépasser? Mais pas trop en fait. Oh du lockbait. Emoni. Je prends le deck démonie. Je prends du lockbait. Là, il me faut du lockbait. Il me faut un petit coup de lockbait. On est passé de 9-4 à 9-8. Ouais, non mais incroyable. Je full lose. C'est terrible. Not stonk. Ouais, comme tu dis, Fatality. Hein. C'est not stonk du tout, là. Mais regardez, lockbait. Ce deck-là, il est vraiment pas mal. Pardon. Ce deck-là, là... Quoi? Allô? Pourquoi il manque une carte? Attendez. Non. On va remettre ça. Voilà, c'est mieux. Non, ce deck, il est pas mal. Alors, vous allez voir, on va arrêter la défaite. La défaite était propre, au moins, on n'y a pas cru une seconde. Frosnake. C'est pas sympa. Mais non, je veux pas mettre une bûche. Je suis nul à ce jeu, c'est terrible. Bon ok, tout va bien, restons calmes. Et buvons frais.
Ok. Ça tient. Plutôt une bonne défense de notre côté. Le feu à gobelin qui va être envoyé devant. Au cas où il y a une tornade. Je pense pas qu'il en ait, mais au cas où. Le dart qui va gratter. Oh, il a plus de sort, il a tout mis. Voilà, ça me plaît. Ça me plaît vraiment beaucoup. Chevalier qui va être là pour aller appuyer un petit peu la Tesla. Sinon, ça va être un poil complicado. Tout va bien, on arrive à gérer. Il a un peu forcé du coup parce qu'il a envoyé vraiment un géant gobelin sans rien. Et nous, ça va nous permettre de contre-attaquer avec un fût à squelette. La roquette. Regardez cette douce roquette qui va s'abattre sur la tour. Cette douce roquette. Oh, elle fait plaisir celle-là. Elle fait plaisir. Regardez les squelettes qui vont être séparés au milieu du terrain. Oula, ils sont pas séparés. Oula, non. Non, s'il te plaît, non, par pitié, non. Je veux pas reperdre. Javier, s'il te plaît. S'il te plaît, Javier. S'il te plaît. Hello, t'avais la flemme pour la miniature. Speed Pro, le dis pas, s'il te plaît. Le dis pas, s'il te plaît. Y'a personne qui a grillé, t'es le premier. S'il te plaît, le dis pas. Oh, c'est pas mal, regardez, on va prendre la tour là-dessus. Ok, chevalier à droite. Le dart qui va partir ici. Là, on va mettre la roquette. J'ai pas eu le... Dommage. Ok, ça tient des deux côtés. La Tesla qui est là derrière, qui fait le boulot. On va tenir hein, 20 secondes. 20 secondes, on les tient. Oula, il repart dans le fond du terrain. C'est une mauvaise idée, ça, frérot. Il a pas le temps en fait là. Il aura pas le temps. Il reste 10 secondes. Il aura pas le temps. Non, ça va être gagné pour nous, mesdames et messieurs. Ça va être gagné pour nous. Good game. Well played. C'est la fin des défaites. C'est bon. On est débarrassé. C'est reparti. Tout va bien. On est en 18. On a galéré à l'avoir cette 10e victoire. Mais on l'a eu. Tout va bien. Ouh, on peut souffler. C'est cool. Bah d'ailleurs, est-ce que je vous ai remercié pour les 3000 pouces bleus? Je sais même pas. Merci à vous en tout cas. Merci d'être là. Si je crois que je vous ai remercié, je radote. C'est terrible. Ça, c'est l'âge, hein. C'est terrible. Bon alors. On est reparti sur Discord. Là, ça y est. Là, je suis un peu plus détente. On a eu notre victoire. On n'a pas besoin de prendre un deck méta. On n'a plus besoin de tryhard. Tu restes jusque quand en live ici, hashtag, je pense encore petit 20 minutes, je pense. Après, on décale sur Twitch. Je pense que c'est pas mal. Vous en pensez quoi? Ouais, c'est pas mal. Comme ça, on décale à 20h30. On décale à 20h30 et on se fait un petit 20h30. Si je suis pas très honnête avec moi, je dis 20h30, 22h sur Twitch. Si je suis honnête avec moi-même, je dis 20h30, 23h. Parce que ça va se finir comme ça, c'est sûr. Donc voilà. Je pense qu'on va faire un truc comme ça. Alors, on a quoi comme deck, mesdames et messieurs? Voyons voir un petit peu. On a du bouliste tout court. Bouliste gel. Pas fan. On a quoi d'autre pour l'instant? Le bot est en PLS. Le bot est foutu. Pourquoi passer sur Twitch? Parce que Fatality, c'est... en gros, sur YouTube, c'est des concepts. Alors que sur Twitch, c'est un peu plus libre. Voilà, tout simplement. Donc sur Twitch, sur YouTube, je fais vraiment des concepts comme ce live, par exemple, vraiment concept de A à Z. Et ensuite, sur Twitch, on est un peu plus libre de faire ce qu'on veut et on peut faire des trucs un peu en mode détente. Et on est en plus petit comité aussi, donc ça permet de prendre son temps et d'interagir, ce qui est vraiment très cool. Alors, on a du Géant Royal GR, très bien. Du Géant Royal GR, bien sûr, évidemment. Est-ce que on a un autre truc ici? On a le fameux deck cochon de tout à l'heure. Le bot, il est vraiment foutu là actuellement. Voyons voir. On a du PK. En vrai du PK. Ouais, par contre, c'est que du PK. Il n'y a rien d'autre dans le deck. Ça, c'est un peu risqué, honnêtement.
Franchement, PK tout court, enfin, ils font un autre truc pour supporter. On a du Barbare d'élite. On peut retenter du Barbare d'élite, les gars. On a joué un deck Barbare d'élite qui a pas trop marché, à vrai dire. On peut en retenter un avec du coup le Géant Royal. Ça me plaît. On va le tester, ce deck. On va le tester. Prends un deck troll. On en prendra un après, si vous voulez. Et Twitch, c'est la meilleure plateforme pour streamer. Je vous avoue que les lives sur Twitch, c'est très sympa. Il y a des petites options en plus pour faire des prédictions, des sondages, des machins. C'est vraiment, vraiment très cool. Voilà, je vais pas vous mentir. Bref, concentrons-nous. On est contre Urok, mesdames et messieurs. C'est parti, bonne chance. Bah yes, hein, nickel. Ça marche, on fait comme ça, j'ai pas de sort. Parce que ça, pour toi, c'est pas un deck troll. Mais Manek, ça se trouve, c'est vraiment le deck de quelqu'un. Donc j'essaye d'être respectueux, tu vois. Non, c'est vrai qu'on a un bourreau et il n'y a pas de tornade dans le deck. Et il manque un sort dans le deck. Je pense qu'il manque un sort. Après, on va voir, hein, peut-être que ça marche. Je veux pas juger avant d'avoir essayé. La Valkyrie qui est là. On n'a pas grand chose d'autre pour le moment. Après, je me dis, est-ce qu'il a vraiment une défense aérienne autre que... Non, la princesse ne retourne pas. J'aime pas ce jeu, c'est terrible. J'ai pas assez pour la... Oh là là. Non mais tranquille, on va changer de stratégie. On va partir en géant squelette. Regardez, géant squelette. Non mais regardez. Admirez. Géant squelette. Non mais attendez. Il manque effectivement un sort. Il manque vraiment un sort. En plus, on tombe contre un lockbait. Donc ça rend les choses vraiment compliquées. Vas-y, barbare d'élite derrière. Et horde. Parce qu'il a plus la princesse. Là j'ai tout mis. Et il arrive à défendre. Ok. Valkyrie ici. Je vais essayer de mettre un géant royal devant. Je pense que ça peut être pas mal. Et vu qu'il a à peu près que la horde pour défendre, il va forcément mettre la horde. Mais là, c'est compliqué avec la Valkyrie et en plus tout ça. On va mettre la horde par-dessus. Là, il peut rien faire. Il est bloqué. Il est totalement bloqué. Oh la vache. Oh, l'électro qui a fait le travail. Il est pas bloqué, en fait. Il est pas du tout bloqué. Et là, par contre, je pense qu'on va pas passer du tout. Bah non, c'est terminé. En plus, on a toujours pas de sort. C'est absolument terriblissime. Good game. Aïe, malheureusement ce deck, je vais être obligé de pas approuver. Je suis désolé. Bon, en même temps, le matchup, on n'a pas eu de bol parce qu'on n'avait pas de sort. Mais pas de sort, c'est terrible dans un deck. Hein. Ne pas mettre de sort dans un deck comme ça, les gars, c'est vraiment terrible. Aïe. Oh non, par contre, faut vraiment pas qu'on repasse en... Faut pas qu'on passe en 10-10. Il faut... Là, la prochaine game, ça doit être une victoire. Alors, voyons voir. Eurika, merci à toi pour le don. Le fameux deck cochon, 5300 trophées avec. Ouais, non mais je sais, mais après, vous pouvez monter en trophée. Hein, c'est pas... voilà, c'est juste qu'on a joué déjà des decks cochons dans le live. Donc j'essaye de varier un petit peu les choses pour qu'on joue des trucs différents. On en a joué pas mal au début du live, des decks cochons, c'est pour ça. Bon alors. Tiens, ouais, voilà, le deck de Eurika, il est juste là. Est-ce qu'on joue le deck de Eurika? Est-ce que vous voulez le deck de Eurika? Je demande au chat. Est-ce que vous voulez un autre deck cochon? 5300 trophées avec apparemment. On a un zap comme sort, donc il y a un sort dans ce deck-là. On a également le prince qui peut tanker avec le... À mon avis, on a un petit combo prince fua gobelin dans ce deck-là qui peut être sympa. On a de l'aérien avec la horde. Il se défend, hein. Ça se défend, le deck, hein.
Oui, on veut, oui, non. Ah, c'est partagé, hein, ça se bat dans le chat. Ah, c'est du 50-50. Ah, c'est du 50-50. Ah, il y a pas mal de noms quand même. Eureka, tu fais pas l'unanimité avec ton deck. Il va falloir que je vous prouve. Hein. Ouais, j'avoue, Eureka, tu viens de me confier une mission sans le vouloir. Quand je vois le chat qui dit non, je suis obligé de vous prouver que vous avez tort, bien sûr, c'est un petit plaisir. Les gars, tous ceux qui mettent non, je vais vous prouver que vous avez tort. Je vais vous prouver que vous avez tort. Le deck de Eureka, il est pas mal. Il est pas mal, il y a une petite synergie qui peut être non négligeable. Il y a le géant squelette qui n'a rien à faire là, hein, bien sûr. Ça, c'est un peu relou s'il y a une erreur dans les copies à chaque fois. Alors, tac, il manque la horde. Il manque la horde, allons-y. Vous allez voir. Non mais vous faites les fous là dans le chat à dire non. Le deck est pas si mal. On est contre Patra. Vous allez voir qu'il y a du combo. Regardez, on va commencer avec un prince dans le fond du terrain. Non mais regardez. Non mais... Alors, il y a une tombstone, c'est relou parce qu'on a un prince, bien sûr. Là, je vous parie tout ce que vous voulez, c'est du... C'est 100% du molosse. C'est 100% du molosse. C'est 100% du molosse. Je l'avais call. On va voir un sorcier du coup qui va être là. Et qui va normalement faire à peu près le boulot. On va mettre l'armée pour aller défendre comme ça le sorcier met des dommages de zone partout. Et on devrait être pas mal. Est-ce qu'il a un truc pour défendre l'armée? Parce qu'il faut qu'il défende l'armée. Il a des gardes, ok. Donc forcément les gardes vont se faire cramer par le sorcier. Regardez, je vous le dis, il est pas mal le deck. Regardez le cochon qui va partir à droite. Ok, le type décide de mettre une foudre, sauf que là, il doit vraiment plus avoir grand chose. Et à mon avis, j'ai l'avantage en élixir. Donc normalement, si je pars du côté gauche et que je fais le fameux combo Prince into fût, il a rien. Et là, on met tarif. Surtout que regardez ce move. Et là, s'il te plaît, le prince qui va foncer sur la tour. Bon, ça s'est pas exactement passé comme je voulais avec le zap qui était pas forcément nécessaire du coup, mais il y avait de l'idée. Il y avait un combo. Il y avait du potentiel. Et ça, c'est l'essentiel. Ok, parfait. Molosse, du coup, je mets la pression à gauche. Évidemment, on a de quoi défendre le cochon parce qu'on a les esprits qu'on a glissés juste derrière. Pra ! La méga. Et le dernier coup de cochon, c'est parfait. Trois coups de cochon. Dès qu'il y a une méga en défense, c'est plutôt value pour nous. Et on va défendre avec un sorcier qui va être du coup derrière. Et également une horde, mesdames et messieurs. Qui va normalement faire le boulot. Et regardez ça. Ça ne passera pas pour notre ami Patra. Petit zap en plus défensif. C'est une défense parfaitement gérée de notre côté. Fuit à gobelin qui va partir juste ici. Il doit normalement avoir un petit sort. Il a pas de sort. Il a pas du tout de sort. C'est chaud quand même, monsieur. Monsieur, il faut mettre des sorts dans votre deck. Petit sorcier là de ce côté. Prince en dessous pour aller protéger le sorcier parce qu'il va probablement essayer de le snipe. On va mettre la horde dès le départ, comme ça il claque les flèches. Fuit à gobelin à gauche. Ok. Ça va être très chaud s'il me balance son combo. En fait, s'il me balance foudre flèche, je suis foutu. Et parce que j'ai plus de défense. Donc il va falloir qu'on mette la pression. Il va falloir qu'on mette la pression, sinon on passe pas. Sinon c'est sûr qu'on passe pas. Je vais mettre la horde très tôt. Comme ça j'ai le temps de cycler sur une autre horde. Ok, c'est pas mal. Je mets un max de pression. Vraiment. Ok. Je mets un prince dans le fond du terrain et je vais essayer de cycler rapidement. Regardez, on va mettre un fût maintenant. Ok, pas mal. Sorcier à gauche, il vient de dépenser de toute façon. Ok. On s'en sort, mesdames et messieurs, on s'en sort. Et là, attention, regardez le combo.
peut rien faire. Un peu tôt. Non, attention. Ça passe. C'est chaud. Le zap. Oh non, il a fini à la foudre. J'allais gagner. J'allais mettre corner. Il a fini à la foudre. Aïe. Franchement les gars, on n'a pas eu de chance sur le match-up. Il avait exactement ce qu'il fallait pour nous déchirer notre défense. Franchement, on n'a pas eu de bol. Ah, c'est dommage, hein, je me suis battu. Ça a été dur. Franchement, les gars, là. Eh, je suis à deux doigts d'en faire une, hein, faites gaffe. Je suis vraiment à deux doigts d'en faire une. Vous m'avez déterré. Mais franchement, on n'a pas eu de chance parce qu'il avait exactement ce qu'il fallait pour gérer notre défense aérienne. À partir de là, on était ultra dans le mal pour passer. Recommence une battle. Eh, je suis à deux doigts. Deck de merde. Mais les gars, mais vous allez me vénère. Juju, un grand merci à toi pour le sponsor. Pour le re-sponsor d'ailleurs, parce que je vois que t'as déjà un petit badge. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Non mais les gars, pas nul. J'en refais une. Vous m'avez vénère. Vous allez voir. Regardez, Harry, on le déchire. Vous allez voir. Change de deck. Mais non. Deck nul. Non, je suis pas d'accord. Je te redonne une chance. Et tu vois, oui. Ça, oui. J'allais t'engueuler. Oui, ça, oui. Regardez, le combo. Le fameux combo, il est là. Et il peut rien faire, regardez. Il rate la tornade. Et regardez, voilà, ça rate maintenant. D'où est-ce que le deck est nul? Tu es nul. C'est pas gentil ça par contre, Lévi. C'est pas gentil. Que vous insultiez les decks de mes abonnés. Bon. J'essaye de vous prouver que vous avez tort. Mais pourquoi pas? Je vous rejette. Je vous rejette la faute dessus. Allez, ça va gratter. Il est nul là le deck ou pas? Alors. Il est très bien le deck. Le prince derrière. Le feu à gobelin, même endroit. S'il retente la tornade, je rigole. Il retente pas la tornade. On va changer un peu la défense parce qu'il doit avoir l'artificiaire derrière. Vous allez voir. On se prend un petit coup de Valkyrie sur le sorcier, c'est pas très grave. On a bien gratté à gauche. Armé ici. Oh là là. Il va mettre une artificière par contre. Aïe. Non. Par contre, il faut pas que je la perde. Non, par contre, là, j'ai mon honneur et celui de Urika en jeu. Oh non! Aïe. Oh non. Je viens de perdre mon honneur en direct, hein.
la dignité qui s'est envolée. Et Eureka, malheureusement, qui est dans le fond également. Bon. Malheureusement, le deck n'a pas fonctionné, en tout cas dans mes mains. Coup dur pour le joueur français. Coup dur. Aïe. Bon, on récupère les récompenses. Oh, on a bien des rushs là en plus. Là, ça y est, on est dans le dérush. Hein. On est dans le dur. On passe en négatif, les gars. On était en 9-4. On n'a pas arrêté de perdre. Oh, c'est terrible. Non, vous savez quoi? On va remonter. Ok, on n'a pas eu les électros. Vous savez quoi? Non, on va remonter les gars, on va remonter, ne vous inquiétez pas, j'ai besoin d'un bon deck, j'ai besoin d'être en 11-11, j'ai besoin d'être en 11-11, c'est obligatoire, s'il vous plaît, là il me faut un bon deck maintenant tout de suite, allez sur le Discord, c'est votre dernière chance, allez sur le Discord et donnez-moi un bon deck, donnez-moi un truc pour faire 11-11, sinon j'ai la honte de ma vie, s'il vous plaît, j'ai besoin d'un bon deck. Oh, il y a du cochon Zappy Miroir. Ah, mais est-ce qu'on va vraiment finir le live avec un cochon Zappy Miroir en sachant qu'il faut qu'on remonte en 11-11? Bien sûr que oui qu'on va finir le live là-dessus. Bien sûr que oui, vous le savez. Arrêtez de m'envoyer des decks comme ça aussi. C'est pas possible. On va le faire. Vous inquiétez pas, ça va le faire. On prend le deck, on le copie, et ça va le faire, d'accord? Là, j'ai un peu la pression. Là, j'ai l'impression de jouer une finale de CRL. Parce que là, il faut y aller. Là, il faut le faire. Là, il faut gagner, et avec ce deck. Allez, on est contre Skrillsess. C'est parti, bonne chance. On va commencer avec un petit électro. Il a du bol que j'ai pas de tornade. On va GG le 10-11. Non mais le 10-12. Jamais de la vie les gars. Vous croyez vraiment que je vais perdre? Mais vous croyez pas en moi en fait. Vous croyez pas en moi. Ce n'est qu'une défaite de plus. Mais les gars, non. Croyez en moi, faites-moi un petit peu confiance. Pour une fois. Pour une fois dans ma vie, faites-moi confiance. Oh, il a une artificière, par contre, ça va être bien relou comme il faut. Quoi? C'est pas possible. Mais gros, arrête! Voilà, on a décossé une défense à droite. Mais regardez, je suis trop chaud. J'ai vraiment mon honneur à sauver, là. On va remettre un électro. Je pense que je vais partir en Zappy. Est-ce que j'attends? Pff, non. Si je bats... Je vais partir en Zappy. Je veux même ma main à couper que tu perds. Non mais les gars, vous me faites pas confiance. Je pense pas, hein. Je pense qu'on peut le faire. Je pense vraiment qu'on peut le faire. On a défendu des deux côtés. C'est un peu tendu, hein, mais ça va. On gère, on va gratter encore un peu à gauche. Je vais pas défendre parce que ça sert à rien. Je vais plutôt partir en cochon. Et je vais préparer une défense aux Zappy. Ça me plaît. Regardez, on gratte à gauche. On est toujours en avance en termes de dommages. Batterie faible. Oh non, pas la batterie faible maintenant. Non, s'il te plaît, arrête. Non.
Oh, il a des flèches. C'est quelque peu complexe. C'est quelque peu complexe. Non, 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 mais les gars, faites-moi confiance, c'est pas fini. Non, 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 les gars, regardez, 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 regardez. C'est pas terminé, c'est pas terminé, je vous le dis, c'est pas terminé. Je suis full stress, là je suis vraiment stressé, là c'est pas de la comédie. Oh la vache, je tryhard hein. Oh non, 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 le Zappy qui a pas tapé. Non, le Zappy qui a pas tapé. Arrêtez, non, par pitié, non, pas ça. Pas ça, pas comme ça. Pas comme ça, non. Oh non, 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 j'avais fait des défenses parfaites. Je me suis donné le Zappy qui n'a pas tapé sur les... Oh non, 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 c'est terrible. C'est terrible, mesdames et messieurs. C'est une descentada complète, 10-12, actuellement à l'écran. Aïe, 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 aïe. Oh non, je suis tellement triste. Je suis tellement triste, les gars, c'est terrible. On a tellement failli la faire. Je suis dégoûté, je pensais vraiment que ça pouvait passer. On n'a pas eu de bol, quel dommage. Quel dommage. Quel dommage. Aïe, 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 aïe. C'est absolument terrible. C'est absolument terrible. Aïe, aïe, aïe. On a pris cher. On a vraiment... Eh non, mais c'est terrible. On était en 9-4, les gars. Ça veut dire que là, depuis le 9-4, on a fait une victoire et 8 défaites. C'est terrible. C'est une descente aux enfers. Oh, mais regardez ça. Non, mais regardez ça. Oh, oh la vache, on a pris tellement cher. Aïe, 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 aïe. Bon, les gars, les gars, les gars, les gars, les gars. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va... T'as été pro H. Oh, Francky, oh, oh, oui, c'est bon, ça se voit pas trop, je te l'accorde, mais quand même, quand même. Bon, les gars, ce qu'on va faire maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement sur, sur Twitch. Voilà, on va arrêter le concept ici, c'était très très sympa, on a eu franchement des superbes decks, c'était très très cool. Et là maintenant, je pense qu'on va continuer un petit peu la soirée sur, sur Twitch. J'ai bien envie de faire ce défi du miroir, et cette fois-ci, vous allez voir, parce que défi du miroir, c'est du pur skill. Vous allez voir que je suis pas si mauvais au jeu. Je pense qu'on va partir sur Twitch, genre maintenant. Je coupe le live YouTube, je relance Twitch immédiatement, et on va faire le défi du miroir du coup ensemble. Ça me tente bien, et après le défi du miroir, on tentera de remonter un petit peu les trophées, parce que là, c'est un petit peu, on est un petit peu descendu. Voilà, je pense qu'on va faire ça. Du coup, vous avez normalement le lien pour aller sur la chaîne Twitch qui est dans, dans le chat, dans la description de la vidéo, ça c'est sûr, enfin, dans la description du live. Normalement, il y a aussi le lien sur, sur le chat, si vous voulez. Et puis, je pense qu'on va faire ça, les gars. Vous n'avez pas besoin de compte Twitch pour venir voir. Vous n'avez pas besoin de compte, rien du tout. Vous pouvez juste passer si ça vous plaît. Voilà, vous voyez, est-ce que ça vous plaît, est-ce que ça vous plaît pas. C'est un peu un autre univers, mais vous allez voir, c'est vraiment cool. Et ça va être beaucoup plus détente. Donc voilà, ça va être très sympa. Mais voilà, en tout cas, ce concept-là, il va s'arrêter maintenant. C'était très cool. J'ai passé 2h30, mais intense. Vraiment, j'ai vraiment kiffé, même si à la fin, on a un petit peu des rushs. J'ai vraiment kiffé, c'était vraiment cool. J'ai eu plein de decks qui étaient vraiment géniaux et tout, on s'est vraiment amusé, donc c'était génial. Et ce concept là évidemment il reviendra sur la chaîne parce que je l'aime vraiment beaucoup. En général je le fais tous les 3-4 mois, du coup on peut espérer un petit épisode en avril, mai, juin, dans ces eaux là, pour pas en faire trop souvent et pour bien kiffer lorsque ça arrive. Voilà.
Et je vous invite vraiment à venir sur Twitch. Je vous ai dit, demain aussi, il va y avoir l'ouverture de colis, il va y avoir plein de choses. Twitch, c'est vraiment cool. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller jeter un œil. Si ça vous intéresse pas, bah écoutez, c'est pas très grave parce que YouTube, ça continue comme avant. Les mêmes concepts, les mêmes choses sur YouTube, comme ce concept-là par exemple. Ça ne bouge pas, bien sûr. Merci à vous si vous m'avez suivi sur le live, là, maintenant, aujourd'hui, tout de suite. Si vous avez suivi la rediffusion, bah merci à vous d'avoir regardé la rediffusion jusqu'à la fin. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas aussi à lâcher un petit pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir, bien sûr. Et puis du coup, nous, qui sommes en live, on va passer directement sur Twitch. Voilà, c'est tout de suite, c'est maintenant, je repasse en full cam. Merci à vous d'avoir regardé, à très bientôt, merci pour les 3500 pouces bleus, merci pour cette soirée slash après-midi de folie. Et moi, du coup, je coupe le live et je passe sur Twitch tout de suite. Un grand merci, très bonne soirée et à bientôt si vous ne suivez pas sur Twitch ou si vous êtes sur la rediff. Si vous êtes sur la rediff, passez sur Twitch quand même, hein, c'est quand même cool. À très bientôt pour...